Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Vous avez été nombreux à me demander l'analyse du tournoi saisonnier que j'ai remporté, que j'avais fait en live sur Twitch, que certains n'ont pas pu voir. Je vous la mets aujourd'hui sur YouTube. J'espère que ça vous plaira, que ça vous aidera aussi. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai. Bon visionnage. Donc là, alors je sais pas si on peut le voir. Préparation, ok. Mon adversaire Camion. Mon adversaire Camion joue 16 GP. C'est typiquement le style de line-up que je m'attendais à voir. Une line-up avec Sejuani GP et une line-up avec Lee Sin Zoe. Donc j'étais prêt. C'est vraiment le genre de line-up sur lequel je dois passer. Donc là, le ban, il est très facile pour moi. Vu que mes 3 decks counter 16 GP. Et Lee Sin Zoe, j'avais juste à bannir Ezreal Draven qui me dérange un peu plus parce qu'Ezreal Draven, ça peut passer Azirelia, ça peut passer Akshan, machin. Et il y a des terres brûlées aussi pour contrer le site avec des nuées de corbeaux et tout. Donc ça peut éventuellement faire chier sur Akatam Ken, je crois, largement. Hein. Donc voilà, j'ai banni ce deck du milieu. Donc voilà, on banne le Dravenais, je me souviens plus ce qu'il banne. Ouais, il banne Azirelia, normal, c'est le counter à Zoe Lee Sin et c'était compliqué ici pour lui de ban, honnêtement. Il aurait pu ban n'importe quoi, c'était un petit peu cata. Celui qu'il fallait pas ban, de toute façon, pour lui, c'était le Akshan Sivir. C'était le plus faible des decks parmi les trois. Il aurait pu ban aussi sur Akatam. Il aurait pu. Il y a des adversaires qui n'ont pas ban. Oui. C'était pas le deck le plus banni, je crois que c'était Azirelia au final. Alors on commence. Bon, avec ce deck, source étoilée. Faut aller chercher la source étoilée dès le début, parce qu'il n'y a absolument rien pour la gérer en face. Donc si on la pose T2, derrière on essaie d'aller le plus vite possible pour larguer des soins et la monter à 22. Donc là, le travail est bien fait au mulligan, petite source étoilée T2. Alors mon adversaire ici, j'ai une bonne main, hein. J'ai la petite grenouille qui est pas mal, qui fait piocher et qui blesse en même temps. J'ai la Soraka, j'ai une petite 2-7 T4 si jamais, j'ai pas Tam Kench mais c'est pas grave hein, là de suite. Il a pas une bonne sortie, il a pas T1 en tout cas, son challenger là, sa 2-3 mercenaires, il va la faire sur rien du tout. Et moi derrière, je peux développer un petit mur défensif. Salut Axov. Et merci. En tant que connaisseur. En quoi t'avais le match-up contre Lee Sin? Alors t'as le match-up contre Lee Sin déjà parce que tu peux le manger. Tu peux manger les unités de Lee Sin. Et de deux parce qu'il peut pas gérer la source non plus. Donc si il veut te gagner le Lee Sin, il doit se dépêcher pour TOTK. Et en général, tu vas plus vite avec la source, sachant que toi, tu peux temporiser avec tes trois silences, plus les soins nécessaires. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Lui, il est obligé d'attaquer, hein. Il est obligé d'attaquer pour proc son pillage et surtout pour descendre mon Nexus, hein. Sinon ça passe pas chez lui, hein. C'est son moyen de victoire, c'est logique. Donc moi je vais bloquer la 2-3 ici pour prendre un maximum de dégâts sur Soraka. Je suis pas très inquiété. Je suis inquiété en fait si il a le blast à 5 et une pluie de balles. Et vous allez voir, adversaire, je pense qu'il connaissait pas trop le match-up. Et c'est pour ça que je vous dis que sur les bans, j'aurais peut-être banni s'il était à sa place Soraka Tam. Et je me suis dit pareil, il connaît pas trop bien le match-up. Et là... On va le voir de suite. En fait, il veut me faire un canon. Ok? Réponse logique, je heal Soraka. Donc là, il lui met 5. Et là, je suis dans la merde s'il y a une pluie de balles. Et il veut la jouer. Il veut la jouer, sa pluie de balles. Il faut. Il faut parce que si jamais j'ai pas le cascade, de toute façon, ok, je la sauve. Mais si j'ai pas le cascade,
J'ai aucun moyen de sauver ma Soraka. Et il le fait après. Du coup, il m'offre la possibilité de re-heal ma Soraka. Et là, clairement, c'est une bonne OP de ma part, quoi. Enfin, c'est génial. C'est aller tuer une Soraka et au final, elle reste en jeu. Et du coup, je vais m'en servir pour alimenter la source. C'est broken. Là, c'était vraiment une grosse connerie de sa part. Enfin, c'est pas une grosse connerie, quoi. Hein. Mais à ce niveau-là, c'est une grosse connerie. Donc, hop, on évolue Soraka. Pas grand-chose à dire, là. J'ai la main qu'il faut, j'ai de la grenouille pour blesser. Je peux faire un plus 4 directement fin de tour. Je peux attaquer pour booster aussi. Il y a pas mal de choses à faire. Là, je pourrais attaquer par exemple avec Soraka et le petit Krabi pour pouvoir le soigner à 4, soigner Soraka à 7, reprendre des dégâts et re-soigner avec la source derrière. Donc je mets la vulnérabilité sur la 3-3 pour aller chercher justement cette 3-3. Ouais, je me souviens plus de ce que je fais. Je crois que j'attaque même aussi avec la 8-3. Ouais. J'attaque avec tout en fait ici. Puisque si je grappe la 3-3, derrière il n'y a que des 2 de force maximum. Et vu que j'ai 3 de défense, ben, je suis assuré de soit de mettre une grosse baffe, c'est-à-dire qu'il est obligé de bloquer la 12-3. Hein. Et derrière, bien sûr, je soigne avec la source. Yo, Ténéret, yo, Wargro. Ben ouais, ben j'en ai pas besoin. J'en ai pas eu besoin. Ah ouais, je me suis entraîné. Putain, je crois que tu t'es... Je crois que tu t'es trompé de personne, Wargro. Après, on a peut-être pas la même notion de l'entraînement, mais faire une soirée d'entraînement, c'est pas vraiment le top. C'est du rafraîchissement, quoi. C'est du même look. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé, du coup? Ok, il a bloqué, j'ai pu alimenter ma source. Mais je me suis bien entraîné sur League of Legends, par contre. Salut Toxique. Allez, League of Legends avec du Ziggs, du Corki, ça. Salut Jibou. J'ai l'impression que ma cam a bougé. Bon, là, lui, il attaque un petit peu pour... déjà, pour enlever la vulnérabilité de son unité. Hein. Il choisit de la sacrifier. Pour pas que je puisse la rechallenger une autre fois. Bon, le résultat est le même, hein, au final. Sauf que là, je crois qu'il veut tuer ma Soraka, ce tour-ci. Je crois, j'en suis pas sûr. Bon, il a activé le pillage. Moi, j'ai rien à jouer. J'ai full board. J'ai mes unités blessées. J'attends. De toute façon, j'ai pas le choix. Ça m'est égal, quoi. Ça m'est égal parce que quand vous jouez sur Akka Tamkench contre un deck qui n'a pas de solution, le but c'est juste de gagner avec la source. Hein, donc, il peut me tuer sur Akka, ça change pas grand chose ici. Je suis à assez de PV. Il est au T6, il m'a pas sorti de champion encore. Donc, j'ai encore la fin de ce tour-ci et la fin du tour à moi pour essayer de soigner et d'activer la source. Et je suis pas mal avancé. Hein. Alors là, je crois que je vais mettre un pal cascade sur Soraka et voir si je peux trouver un petit soin en top deck. Parce que de toute façon, ma pal cascade ne me servira pas.
manque de peau, je l'ai pas trouvé, mais en même temps j'en ai lâché deux, hein, donc il en reste qu'un. Je perds Soraka. Pas très grave. Derrière, je pose la grenouille, je pense, pour pouvoir soigner un petit peu plus. C'est-à-dire que là, je soigne 5. C'est assez énorme, 5. Et je suis à 20, donc j'ai juste à rajouter 2 ici pour pouvoir gagner la partie. Et ça tombe bien, j'ai rien à jouer. Parce que j'ai déjà les 2 en jeu. Donc ici, j'ai juste à passer, à dire à mon adversaire, bah, j'ai gagné, à toi de t'en sortir. Qu'est-ce que tu fais pour empêcher la source d'évoluer? Alors normalement, je crois qu'il n'y a rien. Je crois qu'il fait rien. Enfin, il peut pas... Je peux pas les éliminer. T'avais l'étal si tu laissais crever Soraka en jouant le deuxième site et le crapaud. Pas assez de mana. Ah oui, mais sans jouer le plus 1 plus 1, je sais pas. Je sais pas. Il y a d'autres solutions. Moi je prends une solution. Hein. Un petit 1-0, du coup, le Sivir Akshan. Le Sivir Akshan qui est pas forcément non plus voilà, favori contre ces deux decks, mais c'est un bon deck. C'est plutôt un bon deck, et je m'attendais à ce que les gens le bannent un peu plus souvent. Yo, Elliot. Donc là, bien sûr, on a Akshan en main de départ, on garde. Le reste m'intéresse pas vraiment. J'hésite sur vieux persan, peut-être, je sais pas. Mais non, mais il me faut une bonne sortie de départ pour que je puisse prendre de vitesse le siège, que je m'installe avant lui, parce que derrière, voilà, je suis quand même très sensible à ses Juani. Hein. S'il arrive à bien ping à chaque tour et à évoluer ses Juani pour le T6, c'est gênant pour moi. Et c'est pour ça que je vous dis que je suis pas très confiant avec ce deck contre CGB. Voilà, la petite 2-1 qui fait plaisir à la sortie du mulligan et qui me permet de 1 de mettre un petit point de dégâts et de 2 de défendre cette 1-2. Hein. Cette 1-2 qui est quand même assez chiante à gérer. Et le Akshan T2. Là, le Akshan T2, bah, il fait son taf, je crois qu'il reste. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un bourreau en face qui m'empêche. Je sais plus ce que je fais après. Je crois que je temporise un petit peu. Je crois que je pose cette 3-3. Et j'attends de voir un petit peu mieux pour la chasseuse, histoire de faire un bon value trade. Parce que l'idéal, à ce moment-là, pour moi, c'est pas de faire chasseuse sur 3-3 et, voilà, et d'attaquer avec Akshan pour qu'il passe et de dealer 3-3 contre 4-3. Je cherche vraiment à faire du value trade et avoir un avantage sur la partie. Du coup, je pose cette 3-3 et je me dis j'attends le tour prochain pour challenger quelque chose que je pourrais trade sans perdre mon unité par exemple. Là je crois que j'attaque à la 3-3. Et cette idole T3 fait mal hein, mine de rien. C'est toujours chiant d'avoir une idole qui sort au T3. Sivir Akshan était le deck le plus utilisé en compét. Ah ouais? Il y a eu les stats de sortie sur ça? Bah ça m'étonne pas. Hein. Et quand tu dis la compét, c'est quoi? C'est tous les championnats confondus ou juste en Europe? Bon mais là on laisse passer, hein. on va pas foutre un Akshan sur 7-2-1. Derrière, je fais le choix de mettre ce pisteur plus magie là. J'attends de voir. Là, c'est un petit pass de priorité. Hein. Je mets le pisteur, je regarde ce qu'il joue. Il joue rien. Je me dis, bon, il a que 4 cartes. C'est possible qu'il ait rien en fait. C'est possible.
Donc moi, de toute façon, j'essaie de prendre le board. Il me semble que je mets le challenger sur l'idole directement pour essayer de gratter un tour de singe. Voilà. Et lui derrière, je crois qu'il joue quelque chose là à ce moment-là, si je me souviens bien. Ah oui, mais il parlait de des rondes suisses, mais dans les rondes suisses, ouais. Le deck, les decks Sivirakshan, que ce soit Ionia ou Demacia, étaient les plus joués de la compétition, tous serveurs confondus. Voilà, c'est ça. Il choisit d'éliminer cette 4-3. Il y avait un choix à faire entre Akshan et la 4-3. Il a choisi la 4-3. Ça me permet, je crois, derrière d'avoir un Akshan qui va évoluer. Hein. Bon, on est tour 5, je choisis de curver. Ça me laisse 0 mana, ok. Mais on est sur le tour 5 GP de toute façon. Et il faut que je mette des buffs. Si je mets pas des buffs, là déjà je suis pas très bien. Il est à 18, on est au T5, j'ai pas mis de pression. On arrive au tour où il va poser les champions et où je vais être embêté. Il a eu deux tours d'idole avec son tour 2 qui a infligé un dégât. Donc il y a une évolution bientôt. Voilà, il choisit de poser le GP. Il aurait pu attendre. Il aurait pu attendre avant de poser le GP que j'attaque. Il y avait vraiment deux choix possibles. Mais bien sûr, l'avantage du GP, c'est que là, il lui reste 2 mana et il peut faire une pluie de balles. Donc là, ce que je vais faire de toute façon, c'est attaquer avec tout pour rentrer des dégâts. Il me semble que je vais swap, parce que ça, c'est pas bon. Il faut que je swap la 2-1 et Akshan. Parce que si je veux, s'il fait une pluie de balles, je peux pas frapper le baril. Donc il vaut mieux que je frappe l'idole. Donc je switch, hop, vite fait. Voilà, comme ça, si la pluie de balles ne rentre pas sur Akshan, ben, au moins j'aurais tué l'idole et j'aurais frappé pour passer le site à deux. Voilà, cette jolie pluie de balles qui vient. Qui fait pas très mal parce qu'elle aurait pu tomber vraiment mieux. Mais elle picote un peu. L'idéal ici c'était sur Akshan, sur l'oiseau et sur le Nexus. Voire sur le. Enfin, sur les trois unités aussi c'était bien. Et là le souci c'est que voilà, il a fait T5 GP, T6 siège. Et il peut donc évoluer grâce à la surpuissance, ben les deux champions là, dans le tour. Et c'est là où je suis vraiment pas bien. La seule solution pour moi, vu qu'il a plus de mana, c'est de faire voilà, cette invocation 5-2 et de m'en servir avec le combat singulier pour tuer GP avant qu'il évolue. Et c'est un choix dur à prendre parce que là, je gaspille vraiment des ressources. Et derrière, je sais que ça va être compliqué de toute façon avec une Sage en jeu. J'en parlais en début de la partie. Sage en jeu contre mon deck qui évoluait. Les combats singuliers valent rien, mes attaques valent plus rien, les frappes coordonnées pareil. Donc c'est pas évident pour moi ici. Derrière, j'ai rien. J'ai pas grand-chose. Il faut que je me serve de la prédiction d'Akshan pour aller chercher quelque chose de bien. Mais ça dépend vraiment maintenant après de ce qu'il a en main lui. S'il a de quoi tenir avec sa Sejuani, bah c'est mort. Bah oui, plus de balles à deux, ouais, Vézol. Voilà, donc le petit combat qui part pour avoir un GP en moins. On évolue Akshan. On prend une petite bastos de la part de Sejuani.
Alors derrière, qu'est-ce que je prédis? Ouais, je prédis pas des choses terribles. Je pense que je prends la frappe coordonnée quand même. Il a plus que deux cartes en main, donc il y a un espoir qu'il ait pas de quoi déclencher ses Juani pour m'empêcher de faire la frappe. Donc je tente quand même de prendre cette frappe parce que bah, chasseuse plus sac champ, je peux peut-être éliminer ses Juani. Je tente. C'est ma seule solution. Hein. Si je peux pas gérer ses Juani, je meurs. Donc qu'est-ce que je fais là? Il faut pas que je fasse ça, hein. Il faut que je fasse la chasseuse. Ah, je peux tout jouer, 7, 8, 9, ah oui j'ai 9. Donc je fais pisteuse, pisteur, chasseuse. Toujours pareil, j'essaie de jouer dans le bon ordre. Et là, manque de bol, il a pris un charlatan sur la draw. Et du coup, il a de quoi empêcher cette frappe coordonnée. Alors, je crois que je tourne autour, du coup, je vais pas faire frappe coordonnée ce tour-ci. Par contre, je vais tenter une attaque. Changement de plan, je crois que je vais poser mes deux tours 3 pour tenter une attaque, sacrifier mon griffon, enfin mon aigle, sur ses Juani et lui faire utiliser son coup de semonce pendant cette attaque-ci. Et je me souviens, je crois qu'il a encore quelque chose. Je crois qu'il a encore quelque chose au moment où je joue ma. Au moment où j'attaque, il a quelque chose pour activer ses Juani en plus du coup de semonce. Ah yes, c'est vrai. C'est vrai que je fais ça pour protéger l'Akshan parce que j'ai envie d'attaquer avec. Et c'est là, je crois, où je me prends le petit coup derrière la nuque. Qui fait que je passerai plus. Une pluie de balles peut-être. Une pluie de balles qui tombe bien. C'est soit une pluie de balles, soit un pourparler. Ah oui, non, c'est vrai qu'il m'a volé le cataclysme. C'est vrai. Et vu qu'il fait cataclysme sur ses Juani, il va passer. La surpuissance et tout me geler, c'est vrai. Je m'en souviens maintenant. Ah, dégueulasse. Dégueulasse ce vol de cataclysme. Et ça m'empêche d'attaquer. Complètement. Alors derrière, ben, je suis à 4. Il a une sèche qui est 6-5 surpuissance avec un coup de semonce dans la main. Je sais que j'ai perdu ici. Et en plus, il y a un GP. Voilà. Ici, c'est cuit. Donc, un partout à ce moment-là. Et maintenant, c'est le match de Lakshan contre le Lee Sin. Et là, pareil, c'est pas facile du tout pour moi d'aller chercher Lee Sin, parce que j'ai pas de solution s'il veut mon TK, hein, clairement. Pas vraiment de solution du tout. Hein. Le but du jeu pour moi, c'est de le prendre de vitesse et de passer des dégâts grâce à la pilleuse, grâce à Sivir, voilà, grâce à la surpuissance. J'ai pas une main fantastique au début. Il a Zoé T1. Bon, j'ai cette 2-1 au début qui fait plaisir, mais j'ai pas Akshan, j'ai pas Sivir. J'ai le T5 qui est très important. Mais j'ai pas de Challenger. Ici, ce petit top deck plus 2 plus 2 me sauve bien la vie parce que bah, de toute façon, j'avais rien à jouer et j'ai rien à jouer au T3.
Donc être capable de gérer Zoé directement ici, c'est super. Une deuxième chasseuse, c'est là où je suis pas très bien. Et du coup, je prends le choix d'aller péter ma 5-2 maintenant. J'ai besoin de mettre cette 5-2 maintenant parce que au TK, de toute façon, j'ai rien à faire. Je peux rien faire T3, je peux rien faire T4 actuellement avec ma main. Donc il me semble que je vais ramener cette 2-1 derrière et que je vais invoquer la 5-2 pour taper. Yo Jenny! On va voir, mais. Ouais, c'est ça. C'est ça, parce que lui, de toute façon, bon, il peut l'empêcher avec une pomme étourdissante. S'il doit jouer un œil du dragon, bah, il joue œil du dragon maintenant, mais du coup, ça fera rien. Ça fera rien pour ma 5-2, je pourrais quand même attaquer avec. Ce petit heal à 2, il m'informe que, éventuellement, pas grand-chose à faire de son côté. Donc, je mets une petite baffe à 7 qui fait plaisir quand même. Il n'y a pas d'œil du dragon ici. Là, je suis content. Je suis content parce que un petit T3 qui vient là sur le T4, alors que j'avais rien à jouer, bah, c'est bien. Mon adversaire qui cherche encore. Hein. On n'est pas bien tous les deux en fait, en termes de main. C'est pas terrible quoi. J'ai pas Akshan, j'ai pas Sivir, la curie est un peu dégueu, décalée. Lui il est un peu moins bien, il a pas les yeux. Ici on va y aller, hein. On va poser pilleur et on va bourriner. Hein. Je crois que c'est le tour où il pose Lee Sin pour défendre. Et là, faut pas réfléchir. Faut attaquer avec tout. Il a que 3 mana. Il peut défendre sur Lee Sin. Il n'y a pas de souci. Il peut activer son bouclier et défendre quelque part. S'il se met sur la 6-4, il est obligé de jouer 2 sorts. Et je pourrais aussi sauver ma 6-4 avec mon plus 2, plus 2. Et là, pareil, c'est peut-être. C'est aussi une info s'il va bloquer ailleurs, quoi. Ça veut dire qu'il n'a pas forcément ce qu'il faut pour 3 mana pour donner le bouclier à Lee Sin ou pour en même temps tuer ma 6-4. Donc ça fait beaucoup de dégâts. Ça fait beaucoup de dégâts. On fait rien, on laisse juste prendre ici. Je perds mon unité. Il s'attend peut-être éventuellement à ce que je la sauve, mon unité, à ce que j'aille chercher le Lee Sin par exemple en mettant un plus 3 plus 1 ou un plus 2 plus 2. Mais c'est un petit peu le piège ça, parce que derrière lui, il va jouer des réponses. Donc je préfère garder mon boost, ne rien jouer là, et garder mon boost pour une phase d'attaque où je pourrais le mettre vraiment sur le létal, quoi. Parce que mine de rien, avec l'autre surpuissance en main et le rallye, plus les deux boosts, j'ai quand même pas mal de possibilités. Voilà, donc on joue safe, on fait rien. Je suis toujours à 20, il peut pas me tuer ce tour-ci. Donc là, dans ma tête, je prépare ma prochaine phase d'attaque, tout simplement. J'ai 3 boosts en main, un rallye, la 6-4. La 6-4 en jeu d'ailleurs qui devrait mourir ce tour-ci. Et je crois que j'y fais rien du tout. Hein. Je crois que je la laisse crever. Ah bah merde. Je vous l'avais dit, si je clique à côté.
Ça m'enlève l'écran. Donc c'est ça, hein. Il met le bouclier sur Lee Sin, il va chercher la 6-4. Et je crois que je fais rien, ou alors ouais non je fais rien, je garde mon mana, j'accepte. J'accepte qu'elle meure cette 6-4. Et derrière, ben on va taper. On va taper directement, je suis pas sûr, je crois que je pose quelque chose. Ouais, c'est possible que je pose ça parce que j'ai assez de mana pour tout faire. Il me faut 4 mana de boost, 3 mana pour la 3-3, et il me reste encore 3 mana pour le rallye. Donc j'ai absolument tout le mana que je veux ici pour tout faire. Donc je pose la 3-3 qui met une pression supplémentaire. Je sais qu'il n'y avait pas d'œil dans les tours d'avant, donc c'est possible qu'il n'y ait pas d'autres unités à poser ce tour-ci. Je joue bien sûr autour de pomme étourdissante. C'est quasiment sûr qu'il y a une pomme étourdissante maintenant. Et s'il n'y en a pas, il peut toujours aller la chercher avec les tutors. Le boulot ici, c'est d'arriver à garder le bouclier anti-sort pendant l'attaque. C'est-à-dire que s'il n'enlève pas avant la phase d'attaque ce bouclier anti-sort, derrière, c'est un très gros risque pour lui, parce que le seul moyen d'enlever ce bouclier anti-sort, c'est de mettre un silence. Et vu qu'il lui reste que 6 mana, s'il met un silence, il lui reste que 3 derrière. Donc c'est soit double silence, soit il meurt en fait. Soit il meurt avec tous les boosts que j'ai en main. Donc là, ouais, on attaque avec tout, et on va chercher les 7 dégâts. plutôt facilement, normalement. On joue toujours autour de la pomme étourdissante, bien sûr. Hein, parce que là, j'ai pas l'étal. Il me faut 3 dégâts, mais on va d'abord, je crois, le laisser jouer. Je me demande si je laisse pas jouer. Enfin, je me demande s'il va pas faire un sort, histoire de mettre une barrière sur Lee Sin. Yo, Musli. Salut, Shumpo. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Donc là, ouais, il réfléchit, je crois, à mettre sa barrière sur Lee Sin. Qu'est-ce qu'il doit jouer pour mettre cette barrière? Juste un soin à deux. Il me manque ici 4. Il me manque 4 points. Il lui reste que 4 mana, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. 4 mana, il peut rien faire. Enfin, c'est un bouclier anti-sort. Donc tous les boosts, il faut que je les largue tout simplement sur le bouclier anti-sort. Parce qu'il pourra rien faire et que je vais passer la surpuissance derrière. C'est-à-dire que la seule unité qui peut stun, c'est la 3-3. Et moi derrière, ben, j'ai trop de dégâts, quoi. Donc là, je remets... Non, ça c'est pas vrai. C'est pas vrai, je vais pas la faire sur la 3-3. Je remets le plus 3, plus 1 sur... sur la 9-5, ou juste le plus 2, en fait, ça suffit. Hein. Le plus 2, et si stun la 3-3, ben j'ai encore 3 d'attaque pour finir. Et merci, Bussy. Donc là, ce qui doit arriver, arrive. La pomme étourdissante qui sort sur la 3-3. Et je rajoute le plus 2 pour gagner. Et si jamais ça suffisait pas, bah j'avais rallye derrière. Alors à ce niveau-là de la compétition, on prend le temps. Il n'y a pas de play hâtif ou quoi que ce soit. C'est en mode, même si le play, c'est sûr et certain que c'est ça. Il y a une prise de temps, on regarde l'œil, on réfléchit bien deux fois avant de faire le truc, avant de toucher la carte, tu vois. Faut pas qu'il y ait d'erreur. C'est pour ça que des fois, il y a des longs moments de réflexion. Même pour un choix qui est évident, parce que je pense aussi à ce qui peut arriver sur les tours d'après, si jamais je fais une connerie. Voilà. Donc ça, c'est l'entrée. On va passer au plat. Le top 16. Tac.
Surpuissance, passe barrière, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je crois même qu'on te l'explique dans le didacticiel, ça. La surpuissance, passe barrière. Alors, 16e, quart de finale. 16e de finale, je vous ai vu. 8e de finale. En 8e de finale, j'ai Xoros qui joue une line-up plutôt originale. Il a ce Zsivir qui, de toute façon, ne va pas jouer parce que j'avais prévu de bannir de toute façon tout ce qui était Sivir Akshan. Donc ça se banne. Et derrière, il a deux decks qui sont très bien pour mes line-up, puisqu'il joue un deck, celui-ci, que je peux passer avec Sorakatam Kench et Azirirelia plutôt facilement. Il n'y a pas de solution contre les sites. Hein. Et pareil, Karma Aes, il n'y a pas de solution contre les sites. Donc c'est un deck très lent, donc je peux facilement l'avoir avec Sorakatam Kench. Et c'est très compliqué pour lui aussi de gérer Azirirelia. Contre Akshan Sivir, il y a un peu plus de matchs, forcément. Je crois que c'est le Azirirelia, encore une fois, qui va se faire bannir. C'est quoi les mauvais match-up de Sorakatam Kench? Quasiment tout, sauf les decks que j'ai target. Il y a beaucoup de choses. Ce qui est deck burn... tout ce qui est Swain TF, Ezraven... tout ce qui est deck redoutable... Il y a énormément de choses. Mais là, actuellement, sur un tournoi comme ça, tu peux facilement le sortir du lot pour aller target les bons decks. C'est très fort sur Akatam Kench sur des tournois BO3 Conquest. J'avais déjà gagné d'ailleurs un Giant Slayer avec une line-up avec sur Akatam Kench, parce qu'il y avait vachement de decks contrôle sur le moment. Donc là, du coup, alors je vous ai pas montré les bans. Hein. Ouais, voilà. Donc c'est bien ça. Il a bien banni le Azirirelia comme prévu. Et on attaque le match. Oh! On attaque. Je vais relancer la vidéo. Salut Wani. L'abattage aussi, ouais. Ah, c'est trop chiant, hein, ça. Allez, let's go. Donc, Sorakatam Kench contre Talia, Lissandra. J'ai la source étoilée et j'ai Tam Kench. C'est deux cartes à garder absolument. Hein. Les deux, ils ne les gèrent pas. Que ce soit Source Étoilée ou Tam Kench, il n'a pas la possibilité de gérer les deux. Le seul moyen pour gérer Tam Kench, c'est de le transformer en site pendant deux tours. Donc la main est bien. Même si j'ai que Source et Tam Kench, la main est bien parce que c'est les éléments principaux. Et si je pose Source T2, derrière, il faut que je me dépêche quand même. On dirait pas comme ça, mais il faut que je me dépêche parce que... il peut très vite rentrer en combo, lui, et m'invoquer 2-8-8 T5 ou T6 ou 3. Donc, faut que je fasse vite et gaffe. Quoi. Donc, la main est en même temps bien si il est trop lent, et en même temps très moyenne si s'il est rapide. Donc là, on va voir ce que je pioche. Ouais, je pioche un petit Scorpoint, nickel. Petit Scorpoint qui va pouvoir se faire soigner par la source. Lissandra T3, sortie plutôt correcte de mon adversaire. Il manque juste le site T1 qu'il a pas eu. Site T1 c'est mieux quand même. Bon, moi derrière j'ai le tour de Tam Kench ici.
Wani Twitch, merci beaucoup pour ton prime. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Bienvenue. Donc le Tahm Kench, là, il est bloqué. Logiquement, il est bloqué, il peut pas attaquer. Il est obligé d'attendre d'avoir ses 8-8 avant d'attaquer, parce que sinon, il me feed. Le Time in a Bottle. Time in a Bottle pour accélérer. Je suis pas non plus super frais, quoi. Super frais, parce que je sais très bien que si... il met un x2 sur son site, là, ça peut aller très vite derrière. Bon, là, ce que je fais, c'est que je blesse mon Tahm Kench, vu qu'il peut, il a que 3 mana, il peut rien faire ce tour-ci, il peut même toujours attaquer, que c'est bon. J'ai toujours un heal à 2 en plus, en supplément. Mais je blesse mon Tahm Kench ce tour-ci pour qu'il bénéficie d'un point de source. C'est très important. On va venir manger... la Lissandra ce tour-ci. Salut Bois, ça va, c'est ici. C'est ici qu'il est. Alors après avoir mangé Lissandra, j'ai Talia qui arrive. Là, je suis pas très frais. Hein. Je suis pas très frais parce que Talia vient de copier le site. Alors certes, il n'y a pas le bonus dessus. Mais à partir de là, ça peut aller très vite parce que j'ai pas non plus un board très conséquent. Je peux défendre. Je peux défendre, mais... il y a toujours un monde où t'es débordé, quoi. C'est-à-dire que là, si au tour prochain... il met une double 8-8 grâce à un site à 4. Je dois défendre. Je peux pas trop prendre, je dois défendre. Et derrière, il y a les autres qui arrivent un tour après, enfin deux tours après. Donc faut voir si avec la source, je suis capable d'aller plus vite que ça. Et pour l'instant, je suis très très lent avec la source. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que je me suis servi de l'apprenti pour aller blesser une de mes unités. Mais oui, je crois que je suis à 3, c'est ça? Je suis à pas beaucoup, hein. À 3, hein, au niveau de la source. La petite Soraka qui fait du bien. Je crois que ce tour-ci, j'avale Talia. Ouais, je sais pas ce qu'il fait ce tour-ci, je crois que j'avale Talia. J'avale Talia et je crois que c'est ce tour-ci où il met le 8-8, je suis plus sûr du tout. Je crois qu'il me, il met le sort. Il met le sort, c'est quasi sûr. Il met le sort, j'avale Talia. Peut-être que je garde le mana après pour faire le plus 0, plus 4. La musique d'Amumu, ça. Est-ce qu'on le verra dans les extensions de Bundle Amumu, vu que c'est un Yordle? Parce qu'il est pas Bundle, lui. C'est un Yordle isolé. Donc voilà, j'ai le spell qui part sur le site. On avale Talia. J'ai la réponse possible si jamais il a un éclat de glace. Il a l'air de pas avoir ce qu'il faut pour activer ses 8-8 maintenant. Ouais, Mumu c'est un Yordle, ouais.
Ouais, c'est un enfant et c'est en même temps un Yordle. Il y a. Va voir le lore sur le site de Riot, mais il y a un passage où ils disent que c'est un Yordle, je crois. Salut Skylander. Et il y a un truc. C'est ambigu, mais on ira voir tout à l'heure si vous voulez, parce que du coup je me souviens plus. Mais il y a un truc ambigu avec Amumu. Alors du coup, Soraka est là. Je profite. Je profite qu'il n'y ait pas encore les 8-8 pour mettre une petite sacoche et soigner mon Tam Kench. Ou pas. Ou pas. Ou pas. Allez. On rajoute l'octogoneur. Je sais plus pourquoi j'ai changé d'avis. Je me suis dit que éventuellement je pouvais avaler une 8-8 et attaquer derrière pour faire un énorme soin. Je vous avoue que de suite là, je suis plus dans la même configuration que hier. Hier j'étais. J'étais comme ça sur mon écran, champ de vision réduit. J'étais dans la partie, quoi. J'étais fusionné avec l'ordi. Donc c'est ça, ouais. J'avais compris, enfin j'avais compté qu'il voulait mettre ses 8-8 maintenant. Et alors qu'est-ce que je fais? Il reste 5 mana. Ouais, le problème c'est qu'à ce moment-là, je crois que je psychote un peu. Je sais plus. Je crois que je psychote un peu sur les trois sœurs. Parce que les trois sœurs font très très mal à Tam Kench. Si j'essaie d'avaler un 8-8, je prends une 3 sœurs, je meurs. Donc je décide de jouer safe. Et je crois que je vais juste attaquer la 2-1. Tranquillement. Je crois que je vais blesser une 8-8 d'ailleurs. Ouais, il y a peut-être le. Il y a peut-être le challenger qui part pour soigner mon octogoneur et laisser passer les champions à travers. Genre, il y a Soraka qui part sur la 2-1. Non. Ouais, je mange la 4-4, ça c'est sûr. C'est le play safe, hein. Ça évite de me prendre un plus 3, plus 4 dans la gueule. Donc je mange cette 4-4. Ça fait évoluer Tam Kench. Annonce Annie. Annie. Pourquoi Annie? Alors attendez, parce que dans le teaser, il manque Xerath et Ziggs. Y a qui d'autre dans le teaser qui manque encore, hein? C'est tout? Ouais, voilà, il y a des légendes où il est écrit comme un Yordle. Donc du coup, voilà. Bon. Vu que j'aime bien les Yordles, j'aime bien Mumu. Vu que j'aime bien Mumu. Ouais, je crois que je décide d'aller péter. D'aller péter mon octogoneur juste pour faire un soin supplémentaire. Je vais prendre la 2-1 sur Soraka. Faire un heal de Soraka et faire un heal de l'octogoneur pour booster ma source. Xerath, c'est un transfiguré, ouais. C'est le dernier des transfigurés, je crois d'ailleurs. Ils sont quatre, c'est ça?
Voilà, petite attaque sympa juste pour soigner et booster ma source. Aatrox a été un transfiguré, ah ouais? Aatrox c'est quoi à la base? C'est Noxus ou c'est Shurima? Il a une gueule à être Noxus lui. Il est pas classé. Ok, l'avalanche. Alors clairement l'avalanche ici, elle sert, même si j'utilise ma source, mais elle lui sert à dégager des points de défense où la surpuissance pardon, ne passe pas, parce qu'il a vraiment prévu de mettre la dernière sauce ce tour-ci, sinon il est mort. S'il gagne pas ce tour-ci, la source gagne. Donc voilà, une 8-8 supplémentaire. Moi, est-ce que j'ai besoin de jouer quelque chose ici? Je crois pas. Je crois que c'est tout calculé ici. Ma source est au point d'être level up. J'ai juste à défendre en fait. J'ai juste à défendre, à faire un ou deux de soins, je sais plus exactement, et j'ai gagné la partie. Kane, pas vraiment. Je l'ai déjà affronté sur League of Legends récemment. Il est super chiant. Mais sinon, je le connais pas. Non. Je connais pas le lore. Voilà, j'ai juste à bloquer. C'est pas grave si tout le monde crève. Il peut pas me tuer à 11, il a 4 mana. Et juste en posant l'octogoneur derrière, je crois que j'ai gagné. Kane, ce serait Yonia. Voilà, let's go, Locto. Ouais, 21 sur 22, donc c'est finish. Le petit toucher inspirateur, 23. Et on a un petit kill à la source. Le Tamken Soraka qui ne faillit pas. Ah! On va essayer de valider maintenant le Action Sivir. Sur le LOL, il y a deux évolutions sur Kane. Ah, ce serait sympa qu'on puisse choisir un level up suivant les situations. Ce serait pété. Bon là mon mulligan est pourri, hein. Je choisis de faire un full mulligan et de recevoir un mulligan pourri. Un mulligan pourri contre un deck qui va t'atomiser à coup de 8-8. C'est pas très sympa. Et c'est pour ça que je disais hier sur l'interview, je disais que j'étais pas trop confiant sur la chance civile pendant la compétition parce qu'il m'a un petit peu lâché quoi. Vous voyez, la partie d'avant, je fais 1-1 avec. Et là, quand je vois ma main départ, je suis pas content, quoi. Je me dis, en plus, il pose le site T1, donc je suis quasiment sûr d'avoir une 8-8 T4 ou T5. Donc je choisis d'être agressif, voilà, de poser la 3-2 en espérant qu'il ait pas de T2. Il a un T2 qui, en plus, réduit le site. Donc, pas évident. J'attaque pas. J'attaque pas parce que s'il y a un challenger à mettre, ben, je le mettrai sur la 2-2 s'il n'y a pas Lissandra. Ah oui, là je crois qu'il open attaque avec la 2-2 pour voir si je joue un T3. Donc ça, en général, c'est pas en général, mais je le sens qu'il veut poser une Lissandra. Donc je bloque pas, naturellement, et je passe. Je bloque, naturellement, et je passe. Instantanément pour faire croire que j'ai rien et qu'il pose sa Lissandra pour que je puisse la challenger. Ouais, je me souviens pas de tout. Hein.
Donc voilà, vulnérabilité. Ok. On va maintenant... Alors vous voyez, ma main est pas terrible, hein. J'ai 5 spells et une unité. Pas de champion. On est à un tour, voire deux, d'avoir les 8-8 qui arrivent. Je choisis d'aller prendre cette Lissandra, de gérer cette Lissandra. Derrière, je suis annihilé si y a de l'avalanche ou du ravin. Bon, j'ai quand même eu Lissandra, c'est chouette. Le ravin qui est là, qui fait pas plaisir. Si je laisse passer ce ravin, en fait, j'ai plus rien. Donc du coup, je vais mettre un plus de plus 2 sur la chasseuse, histoire de garder une unité en jeu. Parce que c'est la cata, tout simplement. Aatrox, c'est un transfiguré qui a combattu le néant pour Shurima. D'accord. Qui est devenu un Darkin. C'est quoi un Darkin? C'est dans une autre région les Darkins, quoi. Voilà, donc là, à partir de ce moment-là, je savais déjà que j'avais perdu dès le départ, mais là j'en suis sûr. J'ai pioché un autre sort, du coup j'ai 5 sorts en main de... J'ai rien à faire en fait. Aomin, viewage ou review sur le titre. Ah, c'est viewage, c'est fait exprès, hein. Non mais t'inquiète, je suis pas un débile. Hein. C'est fait exprès. J'aime bien faire des mots qui n'existent pas. Bon, c'est trop tard, hein. Malheureusement. C'est bien trop tard. Est-ce que j'ai vraiment le choix? Ça sert à rien que j'open attaque pour mettre 4 dégâts, derrière prendre les 8-8. Donc là, le choix, c'est me dire... il a rien, enfin, il peut pas accélérer le site, je pose ma 6-4 et je bourre avec les deux, quoi. Les Darkins, ce sont les êtres transformés par la magie de sang, anciennement transfigurés. Et du coup, il y a qui? Il y a Aatrox et il y en a d'autres dans le jeu? Varus, c'est là, c'est pas les Jedi, c'est l'archénan, Varus. Kain aussi. Mais du coup, ils sont dans d'autres régions. Enfin, il y a rien à voir avec Shurima, quoi. Bon là, c'est du paysage. Hein. On regarde les oiseaux voler. On va se prendre quelques 8-8 dans la gueule. Aatrox, Varus, Rast, ah, la faux de Kain. Attends, mais du coup, Aatrox, c'est quoi? C'est le personnage ou c'est son arme? Parce que tu dis que les Darkins sont scellés dans des armes. Mais qui c'est qui tient l'arme? Alors. Je crois que j'abandonne ici. Ah non, c'est vrai que je lui laisse la priorité. Il réfléchit beaucoup pour faire 3 sœurs et plus 3 plus 4. Mais voilà, je la perds. Il fait plus 3 plus 4. Et c'est fini.
Du coup, je dois valider. Ah! Du coup, je dois valider ce Sivirakshan contre Ezreal Karma, qui logiquement est plutôt favorable contre moi. Hein. Enfin, que je suis plutôt favorable contre lui grâce au bouclier anti-sort de Sivir, de la 6-4 surpuissance. Je vais lui demander quand même beaucoup de gestion. Ah, les armes prennent possession des corps. D'accord. Ouais, mais c'est ça, ma question en fait, c'est par exemple dans League of Legends, bon ben t'as Aatrox qui est l'esprit scellé dans une épée. Qui tient l'épée? Est-ce que le personnage a un nom ou est-ce que c'est. Ou est-ce qu'on l'appelle Aatrox, quoi? D'accord. Bon là j'accepte de poser mon action au T2 parce que de 1 ben, j'ai la pierre taillée pour le défendre contre un tir mystique. Et en plus j'en ai un autre, donc faut pas hésiter en fait contre ce genre de match où il y a Piltover qui est capable de bourriner vos unités. Parce que de toute façon, vous avez que ça à faire. Oui, si je joue rien. J'ai pas envie de lui donner un deuxième Hackchamp, donc je préfère mettre ma 4-3, parce que lui donner le Hackchamp maintenant alors que mon site est à 7, c'est stupide. Il vaut mieux que j'attende que le site descende un peu quand je pose mon deuxième Hackchamp, comme ça je pourrais l'évoluer, comprenez? Salut Issei. Ouais, vidéo YouTube, comme d'hab Issei, comme tous les jours. La petite vidéo sur les reveals. Donc là, même raisonnement, je pose pas de chance, je pose la 3-3 pour réduire le site d'abord. Et pour faire paratonnerre aussi. Hein. Je préfère attirer les blasts sur mes unités communes que mes champions. Ouais, elle est cool, Nami, ouais. Elle est cool, on peut faire un petit deck insaisissable boost, je pense, très sympa. Pourquoi pas un Fizz, un ami, d'ailleurs. Donc là, Xoros, il choisit de temporiser. C'est peut-être une petite information qu'il a pas de blast, il a pas de jeté, par exemple. Et j'attaque quand même. J'attaque quand même. Parce que de toute façon, c'est quelque chose. Enfin, si Deal avait l'acte 3-2, c'est quelque chose que j'aurais fait aussi plus tard si jamais il aurait attaqué, même si c'est pas logique d'attaquer pour lui. Mais je préfère qu'il dise 7-3-2 contre la 3-3 plutôt que contre la 4-3 ou autre chose. Donc du coup j'attaque avec 7-3-3 et surprise, il décide de la prendre avec la 2-1. Donc moi ça me va, ça fait un value trade, même si je m'attends à ce qu'il gère la 3-1 avec un choc statique, mais j'ai de quoi faire des choses aussi, j'ai de quoi faire du sauvetage en main avec la pierre taillée. La Sivir qui arrive au bon moment. Bon, ici il fait rien, voilà, il me laisse jouer. Il sait que je peux pas rester comme ça. Si je reste comme ça, c'est facile pour lui de gérer ma prochaine attaque. Donc, je pose Sivir. Elle a le bouclier, elle est difficile à déloger. Je sais que je vais prendre un choc statique à ce moment-là, de toute façon. Mais c'est pas grave. C'est pas très grave, je préfère poser, m'installer avec Sivir. Ouais, ben ouais, pourquoi pas un Bilgeoator Ionien. Et Graxolot aussi. Graxolot et Nami, on va peut-être avoir une possibilité de le jouer, le Graxolot, grâce à Nami, qui est quand même 0-6 pour 3. Donc à 0, il peut prendre tous les boosts de Nami. Le choc statique qui part. Ici, je réfléchis quand même un petit peu à ce que je veux faire au tour d'après. Et de toute façon, ça vaut pas le coup de sauver cette 3-1. C'est pas intéressant pour moi. Et là, mon site va passer à 2. Et du coup, je peux reposer mon action parce que je vais pouvoir l'évoluer au tour d'après.
Le petit œil de dragon qui fait pas plaisir. Et c'est là où j'hésite. C'est là où j'hésite, mais normalement, enfin, je le sais qu'il a pas de gotcha. Et joue une nullification. Donc c'est maintenant ou jamais pour tenter ça en fait. Le petit défi sur Sivir, j'ai frappe rapide donc je recevrai pas de dégâts. Il a son annulification et du coup mon défi est raté. Et en plus je l'ai alimenté pour le 2 sur 2 quoi. Mais c'est ok. C'est ok. Je veux dire, je vais pas tourner autour de la nullification qu'il a dans le deck. C'était un bon moment pour le faire. Ici cette 3-2 je vais la bloquer. Je vais bien sûr la bloquer. Même si mon unité est redoutable, je préfère bloquer ce truc. Le petit action qui part. C'est tendu là. Hein. C'est tendu, mais on board est pas. On est quand même à 20 tous les deux. Il est à 20 surtout. Moi je m'en fous, mais lui il est à 20. Et on est au T6. Il a rien pris encore. Donc à ce moment-là, je me sens un petit peu inquiet parce que ma main se réduit. Je vais avoir le site quand même qui va se développer. C'est chouette. Mais il n'y a pas de pression, quoi. Pas beaucoup de pression. La petite attaque gratos qui déclenche le level up. J'y améliore un petit peu petit à petit Sivir aussi. On va jouer le sort d'Akshan. Je crois que je top la surpuissance sur ça. Si je me souviens bien. Yes. Le pilleur de ruines. Excellent. C'est exactement le type de créature qu'il me faut à ce moment-là. Il a 6 mana quand même, je sais pas s'il peut s'asseoir sur 6 mana. Est-ce qu'il veut... Il a peut-être l'occasion de poser un Ezreal ou une Karma à ce moment-là. Ou une tortue volante. Je vous avoue que la tortue volante là, c'est un bon défenseur. C'est un excellent défenseur. Et là, je réfléchis un petit peu. Je me dis, tiens, est-ce que je rallie avec la poursuite? J'attaque avec tout. S'il bloque, je mets mon bonus. Je mets mon bonus d'attaque. Mais je crois que je passe. Pour avoir une meilleure attaque avec ma 6-4 surpuissance. Ciao, ciao, Anton, bonne soirée. Et merci encore. Voilà, donc je passe, j'ai un ricochet qui arrive en main. Il fait rien, il me laisse jouer. Je joue. Je joue, on n'est pas là pour, on n'est pas là pour regarder. Le petit choc statique pour empêcher, pour déclencher pardon, le bouclier. Pour l'instant, il n'y a rien d'inquiétant. Je crois que je ballarde un rallye là. Non. Non, je crois que je passe après. Je ne sais plus. Je crois que même raisonnement que tout à l'heure, je vais passer pour avoir beaucoup plus de mana. Pour pouvoir faire une open attack et avoir beaucoup plus de mana. Parce que là, actuellement. Il a joué qu'un sort. Donc il a qu'à 1 sur 2 avec son œil du dragon. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est de savoir s'il veut son dragon ou pas. Parce que s'il n'a pas son dragon, bah, tant mieux. Tant mieux. S'il n'a pas son dragon, ici, je passe. Donc je regarde ce qu'il veut faire. Pourquoi il open attaque pas? Bah, il a peur. Il a peur de perdre son attaque en fait, de perdre sa tortue durant l'attaque, et que moi par contre je ne perde rien, et du coup ça lui fait un défenseur en moins.
La moindre petite erreur ici. Il a pas l'air d'avoir de blast. Peut-être. Donc là, très content de mon top deck. Enfin, de mon top deck, de ma pioche. C'est pas un top deck. Et très content de ma pioche. Je sais que je peux rallier deux fois. Donc j'ai tout intérêt à essayer de garder des unités en vie. Le placement est un peu compliqué parce que Sivir est à 14. Mais je crois que je décide de la mettre en dernier. Parce que je peux l'évoluer avec les deux premières frappes si jamais j'ai un boost quelque part. Donc voilà, en open attack. Il peut menacer de développer Ez. Il peut faire plein de choses, hein. Il peut faire plein de choses avec son mana. Mais moi, je suis pas en situation de faire des erreurs, en fait. Si j'utilise un rallye pendant son tour, il me reste que 2 mana à côté. Ça m'intéresse pas. Donc là, il passerait à 7. Je crois que je décide, parce que vu que j'ai des rallyes, bah le but c'est quand même d'aller chercher les unités en face pour pouvoir rallier, qu'il y ait moins de bloqueurs et enfoncer le clou. Donc il me semble que je prends un plus 3, plus 1 sur l'action à ce moment-là. Ciao ciao Mushli, passe une bonne soirée et merci beaucoup. Pierre taillé directement sur Akshan. Il y a un choc, enfin un choc, un tir mystique qui va partir, je crois, là. Vous avez dit que tout à l'heure, il n'avait pas beaucoup de dégâts. Ce tir mystique ici, c'est peut-être un des seuls qu'il a. Donc je crois que je vais en rajouter une couche. Alors je sais plus si je fais. Je crois que je mets le plus 3 plus 1 sur Sivir là pour la sauver. Toujours dans l'optique de passer mes rallyes ensuite. Donc je lui redemande du taf là. Là je lui demande de gérer Sivir, Akshan. Et il perd ses deux unités, ses deux bloqueurs. Alors il y a beaucoup de cartes encore hein, dans son deck hein, pour gérer. Hein. T'as toujours les stuns, t'as toujours les volontés d'Ionia. Réfléchis beaucoup, Xoros. Je crois que c'est une volonté que je prends, ouais. Une volonté sur Sivir. Que j'accepte. Que j'accepte et que je repose, je crois, ensuite pour pouvoir rallier. Sur 30, donc elle serait évoluée à la première frappe. Et là, ben on rallye. Hein. Ah oui, c'est vrai que je bait le. J'essaie de voir s'il a un rejet en main, s'il veut sauver son œil avec un rejet. Mais il tombe pas dedans, il attend pour contrer le rallye. Il peut pas se permettre de contrer le combat singulier en fait. Parce qu'il perd sur le rallye, alors que si ce combat singulier passe derrière, il peut contrer le rallye et essayer de résister au moins un tour de plus. Bon, bien sûr, je le fais sur Sivir, hein, faut pas déconner. Elle a le bouclier anti-sort. Hein.
Et là, je le fais quand même. Je le fais quand même parce que ça le met full tap. Ça veut dire qu'il jouera rien de toute façon. Et que, très forte chance que mon deuxième rallye passe derrière. Je crois qu'il ouais, il enlève le bouclier ici. Assez anecdotique. Même si c'est vrai que du coup le rallye que je peux faire sur Sivir et être un peu safe, je le suis un peu moins. Mais ça va pas m'empêcher de me rallier si s'il a pas de rejet. Ciao Wargro, bonne soirée. Donc ouais, je sais plus ce qu'il joue là. Karma. Karma qui lui bouffe plus de la moitié de son mana. Là, c'est quasiment GG, quoi. C'est quasiment GG pour moi. Je vais jouer l'Égide et s'il a pas de... S'il a pas de contre... non seulement je me rallie, mais en plus je déclenche le site. Alors je choisis de le faire sur l'unité qui coûte le moins cher. C'est Akshan, il coûte que 2 mana. S'il prend un blast, je peux le sauver. S'il prend une volonté ou un stun, ce sera la plus faible qui aura pris la volonté ou le stun. Donc je préfère le faire sur ça. Il fait pop sur Sivir, choix logique. Même si peut-être que la surpuissance aurait été un meilleur choix. Le petit trésor qui fait plaisir, on pioche 2, on réduit tout de 1, ça me permet de jouer tout ce que j'ai en main, et plus si besoin. Le plus, il est là, du coup j'ai une 2-1 en plus, j'ai une 5-2 en plus, pour pouvoir saucer. Et puis let's go. Let's go. Oh, il y a l'étal. Il y a l'étal ce tour-ci. Hein. Je fais pas un dessin. Il a 1, il a plus de mana, et j'ai le petit plus 2, plus 2. Et si jamais il n'y avait pas l'étal ce tour-ci, il y avait l'open attack qui marchait bien. Et 2-1. 2-1 encore une fois. Et je passe en quart. Et c'est là où je vais faire le match le plus compliqué de la compète. Et c'est aussi un des matchs les plus importants parce que là, actuellement, avec 2 victoires dans ce top 32, j'ai rien, quoi. J'ai pas grand-chose. Et cette 3ème victoire m'offre une qualif pour la qualif des Worlds. Donc c'est pour ça que c'est le match le plus important. Et ça va être contre Nawatix. C'est parti. Nawatix, qui joue une line-up qui m'inquiète. Parce que, bon, déjà, il joue à Akshan Sivir. Il joue Azir Irelia. Je suis pas content de le voir. Azir Irelia. Et il joue MF Queen. Et MF Queen, je suis pas content de le voir aussi, parce que, à ce moment-là, je suis sûr et certain qu'il va pas me bannir Azir Irelia. Et qu'il a complètement prévu de défoncer les decks Lee Sin et les decks Azir Irelia, en même temps, avec sa line-up. Donc je suis pas très frais. Je suis pas très frais. Moi, le deck qui m'inquiète le plus, c'est pas son MF Queen, parce que MF Queen sans MF, c'est pas des masses bons, quoi. Donc plus dangereux pour moi les deux autres decks que celui-ci. Alors dans son MF Queen, il y a une particularité que vous avez pu voir dans le live. C'est les sculpteurs qui augmentent le coût des sorts de 1, qui sont ultra chiants contre au moins 2 de mes decks, le Sorakatam Kench
et le Azir Irelia. Donc je choisis quand même de bannir Azir Irelia de toute façon. Et derrière, eh ben, on va essayer de se défendre le pain avec Tam Kench. Alors je crois que lui, il me banne l'Akshan Sivir et le deck le plus dangereux pour lui actuellement contre sa line-up. Ça peut passer les trois decks, donc c'est 50-50 contre le Mirror, et ça peut passer les deux autres decks, donc il a plus peur de ce deck-là que des deux autres. T'es plutôt champion ou champion ? Champion ! Donc voilà, je pars pas trop favori, parce que je sens que mon Tam Kench sera capable de se faire déglinguer. Mais en même temps, tu vois, Tam Kench Soraka sur une sortie normale, correcte, tu vois, sans plus, pas trop bourrine de scout, ben je peux l'enfiler, quoi. Je vais peut-être passer la préparation. On discute, mais... Voilà, donc ce que je disais, hein, je banne son Azir Irelia, lui non bien sûr, et il banne le seul deck qui peut l'inquiéter. Et je commence avec Soraka, Tam Kench, pour ce duel au sommet. Et on commence plutôt bien, alors ça non plus c'est pas un si mauvais match-up que ça pour moi. J'accepte le défi. Et là, c'est le mulligan qui est assez compliqué, parce que c'est un peu les mulligans traîtres, ça vous offre un score point et une voyante, mais au détriment des cartes essentielles du jeu, c'est-à-dire le site, principalement. Donc ça fait que 2 mulligans sur 4, bien que je puisse piocher avec la voyante et avoir un bon début de partie, j'ai pas le site en main de départ. Voilà. Chose qui a quand même son importance quand on joue sur Akatam. Après, il y a de la pioche, hein. Il y a les voyantes, les touchés, les pales cascades, il y a Soraka, si on a Soraka pour piocher. La petite 0-3 qui arrive au-dessus du deck, et je choisis de la jouer. Hein. Je choisis de la jouer pour l'empêcher d'attaquer, ou alors s'il attaque, du coup, ça me fait une unité blessée. Ça peut l'inquiéter, mine de rien, voilà. C'est ce que je me dis à ce moment-là. Cinématique, s'il joue très safe... Il peut ne pas attaquer. Merci, Ariz. Et il attaque pas. Il attaque pas, c'est un bon joueur, hein, Nawatix. C'est un habitué des tournois, du ladder. Il joue très très bien. Pas trop le con, pas le con du tout même. Du coup, ça me permet de faire cette voyante, de blesser les deux unités, mais par contre de pas faire grand chose, quoi. De juste rester en défense et de regarder pour l'instant. De son côté, Narmatix, il a une sortie ok. Hein. Le T1, le petit T2 action qui arrive, l'open attack. Voilà, là je sais que de toute façon, et il sait que de toute façon je peux pas faire grand chose sur une attaque comme ça. Il a 3 mana pour faire des boosts, et ses boosts sont beaucoup plus gros que mes soins. Et j'ai que 3 mana, donc je peux pas faire grand chose. Je peux faire un soin qui sert à rien. Mais il me semble quand même que je le fais ce soin, parce que j'ai besoin de piocher. Alors je bloque avec ça, ouais là, 2-2, je sacrifie ça. C'est mieux avec le crapaud. Hein. Voilà, c'est tout ce que je peux faire dans un tour, et lui il le sait. Donc à ce moment-là, il peut choisir de trade, voilà, de booster son unité pour trade la mienne, enfin pour tuer la mienne et pas la sienne du coup. Et moi, je suis à la recherche de la source étoilée. Qui n'est pas là toujours. Et j'ai pas de champion non plus.
Donc ici, je vais jouer le score point pour masquer le plus possible mon octogoneur. Je pose le score point, je regarde ce qu'il fait. Si jamais c'est intéressant, je pose l'octogoneur et je vais essayer de chercher action. Petit préservarium qui me donne une petite indication, c'est que j'aurai pas d'autres unités ce tour-ci normalement. J'y vais, je pose l'octogoneur et je choisis d'aller trade contre Lakshan. Si jamais ils veulent sauver, il est obligé d'avoir un autre +2/+2 à ce moment-là, ou alors. D'avoir le d'avoir le défi à 3 mana. Donc hop, on va trade l'action. Je garde le reste en défense, hein, bien sûr. J'ai pas envie de trade ça contre des unités plus faibles. Plus faibles, si j'arrive à les soigner, mes unités, j'entends. Donc j'espère toujours recevoir du soin. Donc je les garde derrière. La source. La source. La source qui arrive un petit peu tard. Je sais pas si... Je sais pas si je l'aurais eu avant, ça aurait changé quelque chose, mais là, elle arrive quand même un peu tard. Elle arrive au tour, en fait, où j'aurais déjà aimé qu'elle fonctionne au moins une fois. Pour pas voir ce genre de choses arriver. Avec des boosts au bastion, pour pouvoir préserver les unités. Donc là, je bloque pas la 2-1, parce que j'ai la source, et je me dis que, ok, j'encaisse ce tour-ci, et derrière, je me soigne, et j'essaie de reprendre le dessus. Là, je crois qu'il y a, il y a une pierre taillée qui va partir, voilà, pour faire le trade. Je prends une jolie baffe. Je prends une jolie baffe, je me sens pas bien. J'ai des trucs inutiles en main. J'ai toujours pas de chambre, quoi. Là, c'est pareil, le Tamkench qui arrive un petit peu tard. Et là, il me fait peur, parce que si je pose Tamkench, en fait... Je prends toute la misère du monde, en fait. Je prends frappe coordonnée, je prends le défi, et j'ai rien derrière pour le sauver. Donc je laisse la priorité premièrement pour qu'il joue sa relique, parce que ce serait con pour lui de la perdre quand même. Donc je laisse jouer sa relique, et après je vois, il va me relaisser la main normalement. Mais je suis un peu obligé, je suis un peu obligé de poser Tamkench. L'avantage, c'est que si jamais il avait une frappe coordonnée, ça lui prend quasiment tout le tour. Il n'est pas très inquiet. Hein. Je pense qu'il a une main excellente à ce moment-là. Il pose Sivir qui est prête à être évoluée. Et moi derrière, alors j'ai des silences. Hein. C'est cool, mais le problème, c'est que je peux pas silence. L'unité la plus chiante, et l'unité la plus chiante, c'est la 6-4 surpuissance. Parce que si je fais un premier silence sur Sivir et que je silence Sivir, ça fait rien en fait, tu vois, je prends toujours la surpuissance, quoi. Et malheureusement... Malheureusement, je suis bloqué ici. Je suis bloqué, alors je crois que j'essaie de mettre Tamkench au milieu parce qu'il a mis la 2-1 avant, forcément. Pour l'instant, Sivir n'évolue pas avant de taper Tamkench. Et je sais très bien qu'il va mettre un boost devant pour l'évoluer plus vite, c'est logique.
Mais voilà, je fais quand même le choix. Je sais pas si je fais le choix de garder la 2-4. Parce que de toute façon, là, c'est bien beau de bloquer la 6-4, mais derrière, je meurs, quoi. Derrière, j'ai plus rien. Et je meurs le tour d'après. Surtout que je suis pas à l'abri de faire un rallye. De prendre un rallye. Donc, je joue. Voilà, je me dis que tiens, bah, s'il veut gagner, il doit quand même lâcher 2 boosts. Ce qui est largement faisable, en fait. Mais je veux dire. Entre tout perdre ce tour-ci et mourir le tour d'après, ou tenter d'être à 1 PV et réussir à garder des unités pour pouvoir tenir, bah, bien sûr, je choisis cette option-là, quoi. Bon, lui, il fait rien. Il fait rien, il choisit de juste attaquer. Il me passe à 4. Toutes mes unités sont très bas en défense. Et alors là, je joue le score point. J'aurais peut-être dû tout simplement enlever le bouclier à civir. Mais de toute façon, c'était trop chaud, quoi. Mais je pense que oui, enlever le bouclier de Sivir à ce moment-là, c'était peut-être mieux. Ça m'aurait permis de pouvoir faire ce double silence sur la surpuissance et de résister un tour de plus. Je gagnais toujours pas, mais je résistais un tour de plus, quoi. Et peut-être pas, en fait. Peut-être qu'il avait un autre rallye, je sais pas. Mais ouais, compliqué. Compliqué, là je peux rien faire. Il va venir. Il va venir pierre taillé, enfin expiateur maintenant du coup. Et du coup, je meurs quand même parce qu'il aurait eu la surpuissance sur Sivir. Donc j'aurais eu 2 surpuissances à gérer. C'était pas possible. Malheureusement. Donc là, je largue le silence dans le tas, mais c'est perdu. Qu'as-tu pensé de la strat sculpteur? Qui pénalise les sorts. Ben, dans cet environnement-là, c'est fort en fait, parce qu'il a créé sa line-up pour contrer les decks ici, Nazir Irelia, et autres decks qui ont beaucoup de sorts. Donc ouais, c'est bien. C'est bien. À l'époque, moi j'aimais bien cette version pour contrer les Fistef aussi, par exemple. Enfin, pour encore plus les contrer. Mais non, c'est bien. Contre les decks Lee Sin, c'est une horreur, cette 1-3. Sacré pari, mais totalement justifié. Ouais. Alors, ici j'ai 2 T1, je décide de m'en débarrasser de 1. La sortie est chouette, j'ai une petite bergère T1, la voyante T2, Soraka au T3. Avoir Soraka contre Scout au T3, c'est vraiment réconfortant. J'ai fait que des 2-1, ouais. Bah, c'était chaud. C'était chaud à chaque match. La source qui arrive, ça fait plaisir aussi. J'ai ce que je veux. J'ai pas Tahm Kench qui serait juste OP, mais j'ai ce que je veux. Même scénario que la partie d'avant. J'ai la 0-3 contre son T1. Et il va avoir le même réflexe, c'est de pas attaquer. Je crois. J'étais dormir, puis je me suis réveillé vers 2h30, 3h, un truc comme ça. Et pile poil, parce que j'ai eu une notif de merde. Et pile poil, il y avait la finale Amérique. J'ai fait, oh bah tiens, je vais me mater la finale Amérique. En plus, je me suis dit, ça va aller vite, il y a un aggro dedans. Je savais pas trop quoi penser de cette finale Amérique. J'ai vu un Team Wes avec des ravins dedans, j'ai fait. Je me suis posé beaucoup de questions à ce moment-là. Ça avait l'air chouette hein, contre l'aggro en face du coup. Hein.
Mais c'était assez incroyable de voir ces decks-là en finale. Mais comme à chaque saisonnier, il y a des surprises de ouf. Mais tu vois, le triple aggro qui arrive en finale, c'est un truc de dingue. Le mec qui prend triple aggro en Europe, je pense qu'il sort direct. Il y a des réflexions et des méta différentes suivant les régions. Alors, bon là j'ai pas trop commenté. Il a posé son sculpteur, très embêtant, mais ça va. Ça va parce que j'ai Soraka, donc je peux bien défendre. D'ailleurs, j'ai un petit peu bloqué sa phase d'attaque quand il a posé MF avec Soraka. Et derrière, ben, je suis pas mal du tout parce que, alors de 1, j'ai l'Octogoner pour aller chercher la MF. J'ai encore le temps. Et j'ai aussi cette grenouille qui va pouvoir me permettre de mettre du board et d'utiliser ma source. Il y a un moment, un Lee Sin qui se suicide. Ah ouais? Ah bah après, on est pas, on va en voir tout à l'heure, mais enfin, moi le premier, je peux faire des misplays, les adversaires font des misplays. De 1, t'as la pression, sans critiquer les deck building, les choix, etc. De 1, t'as la pression, qui compte, la fatigue, pression, fatigue. C'est très facile de critiquer, ça l'est beaucoup moins de jouer à la place du mec. Voilà, je peux vous dire que c'est quand même très éprouvant, surtout quand vous enchaînez les matchs à cette vitesse-là, hein, on dirait pas, mais il n'y a pas beaucoup de pauses dans certains matchs. Surtout quand vous arrivez à la fin du timer, enfin, quand vous arrivez à la fin du timer, vous enchaînez direct l'autre match, il n'y a pas vraiment de pause. Pas de pause. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? Ouais. Ouais, il a posé Bannerman, du coup, je suis allé chercher une unité que je pouvais gérer. Hein. À la base, je voulais gérer MF, bien sûr. Mais c'était sans savoir qu'il y aurait un Bannerman, ceci. Et c'est pas grave. Petite gestion du challenger. Un Bannerman Scout en finale. Ah, il jouait Teemo, Ezreal. Ah ouais, non, tu m'as fait peur. C'est quoi cette line-up Teemo, Ezreal avec Scout? Ok, sortie impeccable hein, du côté de Nawatix, on a le sculpteur T2, le T3 MF, le T4 Bannerman et le T5 Queen avec le T1, c'est curvé, c'est God. Il n'y a pas la place pour faire des sorts, mais c'est curvé God. C'est les meilleures sorties que tu peux avoir en scout niveau bourrinage. Donc moi, voyante, ouais, bien sûr. La voyante qui me permet d'activer soit le pal, enfin, qui me permet d'activer le pal cascade et de piocher. Et derrière, ben, j'ai assez pour faire de toute façon un soin. Donc je choisis de mettre le soin sur. Enfin le blast pardon, sur la 2-2. Dans tous les cas. Parce que j'ai envie de défendre plein pot avec Soraka et mine de rien de ne pas l'endommager à fond, quoi. Et j'ai pas envie surtout que si je dois bloquer avec ma 2-2, qu'elle meure juste sur le spell de MF. Ici, ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup de faire ce soin sur mon octopus parce que de 1, ben, le challenger meurt. Et moi, je reste en vie. Ça fait 2. Je prends la queen parce qu'il reste une attaque derrière à gérer. C'est là où je vais choisir de mettre ma Soraka où je veux. Et c'est là où c'est important. C'est de ne pas bloquer avec la Soraka ce tour-ci parce que derrière, ben, c'est un petit peu open bar, quoi. Donc, il vaut mieux que je la garde ici. Pour pouvoir bloquer la plus grosse unité, par exemple MF. Et de 3, Soraka évolue, bien vu. La Queen qui attaque, le Bannerman qui attaque. Tout qui attaque là, non, je sais plus. Ah non, il attaque juste avec le Bannerman. Il a peur.
Je sais pas si c'était le meilleur choix à faire de sa part. En tout cas, moi, ça me va. Hein. Ça me va, je garde tout mon board et du coup, je peux faire ma source sur tout. Je sais pas ce qu'il a pensé, Nawatix, à ce moment-là. Parce que bon, du coup, j'avais plus de mana. Mais j'étais quand même obligé de faire quelques blocs, quoi, pour pas être dans la sauce. Du coup, ici... Ouais. Du coup, ici... Alors, il n'y a pas de riposte hein, dans le deck de Nawatix. Et... Je crois que j'ai senti qu'il n'y avait pas les plus 2 à ce moment-là. Je sais plus. Je crois que je veux... La mission ici, c'est de faire cette bergère. De laisser juste une priorité comme ça pour voir s'il joue un rallye ou... ou autre. Non, c'est pas sur cette game que vous êtes arrivé ici. C'est pas sur Azir Irelia que vous êtes arrivé. Salut, Chakagoz. C'est gentil. Ouais, donc là, c'est un petit passage de priorité. Et derrière... derrière, là, je suis très confiant sur mon attaque. La mission ici, c'est de sortir MF. Hein. Donc, on va Soraka plus Octopus. Et foutre le silence direct sur MF pour l'éliminer parce qu'elle a 3 sur 4. Salut à ma Brides. Et merci. Tu voulais pas virer le sculpteur? Non, mais je m'en fous, le sculpteur, il me dérange pas du tout. Hein. Il me dérange pas du tout, le sculpteur. Là, ce qui me dérange, c'est la meuf qui a 3 sur 4. C'est trop dangereux, faut pas laisser ça. Je dois absolument la tuer, sinon je prends la révolution. Donc voilà, petit trade sur la MF qui va pas recevoir de boost, du coup. Hein. Je vous spoil. Désolé. Ben oui, c'est ça, c'est rallye coûte 4. C'est plus 2 coûte 3. Ses valeurs coûtent 3. Son truc dans la main, ça coûte 2. Voilà, il est embêté. Je suis plus embêté que lui. Mais il est embêté aussi. C'est marqué sur... C'est comme le port salut, je sais pas, c'est marqué dessus. Donc là, je suis pas trop inquiet. Je suis pas trop inquiet parce que... Alors, il y a la queen qui peut évoluer. C'est pas dangereux pour moi non plus. Ouais, c'est ça, Chakagoz. Ouais, du coup, il attaque avec Queen, je crois que j'ai pris, c'est ça, avec Queen. Ouais. J'ai pris une fois l'objectif de Queen, ici, c'est de la laisser passer quasi tout le temps. Sauf à la dernière attaque, je crois. Et voilà, pour l'instant, je suis pas inquiet, j'attends qu'il attaque vraiment avec tout. Faire mes blocs, reposer de l'unité derrière. Voilà, la Soraka qui va sur la petite Queen. Et derrière, j'essaie de trouver un maximum de... Maximum de trade, quoi. Enfin, maximum de blocs. Blocs positifs. Il y a une robustesse dans son jeu. Salut Clé. Salut Scarface. Et salut Yupala, merci. J'ai pas vu mon bloc. Bon, j'ai essayé de faire le maximum que je puisse faire. Perdre des unités, c'était pas vraiment un problème aussi pour moi ici.
le Bannerman qui est reposé. À ce moment-là, voilà, il lui reste 4 mana, il peut jouer son rallye. Je vais quand même... Il faut que je pose Tahm Kench. Tahm Kench qui fait un excellent défenseur. Je sais que ma 6-1 va... Non, je pose pas Tahm Kench. Je sais que ma 6-1 va se faire grab par Valor de toute façon. Et que derrière, je meurs pas. Je meurs pas si les unités passent. Alors à ce moment-là, je crois que j'ai dû garder le mana parce que je pouvais faire double pas le cascade. Je sais qu'il a pas de boost s'il joue rallye. Et les doubles pas le cascade peuvent me permettre de faire des... me permettre de faire un bon trade et de sauver ma Soraka si je la mets sur une 3 d'attaque. Il n'y a pas de rallye. Il n'y a pas de rallye, mais en fait, il l'a. Parce qu'il a énormément hésité. Il l'a, mais il aura une meilleure... une meilleure situation pour le faire. Salut Camille Affaire. C'est bien ici. C'est bien ici si tu y es. Ne t'es pas perdu. Donc le voilà, ce rallye. Donc ce rallye qui va commencer, c'est pour ça qu'il voulait utiliser le rallye pendant mon tour, hein, c'est pour profiter bien sûr de l'éclaireur un maximum. Et l'éclaireur a de la possibilité de poser une Citria ou une Geneviève, parce qu'il jouait les deux, il jouait Citria et Geneviève dans son deck. En deux exemplaires de chaque, je crois. La deuxième phase d'attaque qui part avec la 15-1 qui devrait normalement s'éteindre. Il me semble que je mets quelqu'un devant devant Queen. Ouais, c'est ça, hein, je mets bon, je sais qu'il n'y a pas de boost. Enfin, depuis le début, en fait, il a pas de boost, à moins qu'il ait pioché là, sur sa dernière carte qu'il a pioché. Mais là, je crois que je vais mettre le plus 4, plus 0, plus 4 sur mon petit crabe, non? Ou alors non, ça m'intéresse. Mais en fait, je sais même pas là de suite à combien est ma source, en fait. Je crois que j'en ai rien à foutre, en fait, que tout le monde crève. J'ai ma source qui gagne, je sais, j'ai pas vu. C'est pour ça que je fais rien, ouais, c'est ça. C'est pour ça que je galère pas. Ouais, mais ça servait à rien, Ténéret. Je me vois pas sur le classement des points de chaîne. Il n'y a pas de classement des points de chaîne. Ça n'existe pas, ça. Donc c'est normal que tu le vois pas. Non, là, le match est pour lui. Là, le match-up est pour lui. C'est très très compliqué pour moi de gérer les attaques de MF. Un Demacia bien curvé comme ça d'un Bannerman, c'est très dur à contenir.
Pourtant, j'en vois dans un nouvel onglet. Ah, mais non, c'est pour les sons d'alerte, ça. Sons d'alerte, c'est tu utilises les points de chaîne pour émettre des sons d'alerte. Alors, Vesol, c'est simple. Le timer du milieu, c'est le timer de la rencontre, tout simplement. Le timer en bas et à gauche, c'est comme aux échecs, c'est le timer des deux joueurs. Voilà. À chaque fois que tu laisses la priorité, ton timer se stoppe et c'est le timer adverse qui recommence. Même principe qu'aux échecs quand tu appuies sur le bouton. Ah oui, c'est simple. Vous avez pas compris que c'était simple tel que je vous l'ai expliqué là? Avec un petit, une petite comparaison pour les échecs. Alors, quand les timers personnels arrivent à zéro, tes tours passent vite, tu pars en corde direct, en fait, t'as plus le temps de jouer. Quand le timer du milieu arrive à zéro, il y a les 5 minutes supplémentaires qui se déclenchent. Et par contre, quand ces 5 minutes supplémentaires sont finies, c'est le joueur qui a le moins de temps sur son timer qui perd la partie. C'est-à-dire que c'est le joueur qui aura pris le plus de temps pour jouer qui perd. Et du coup... Et du coup, sur ce play-off, on a eu deux parties, au moins. Deux parties connues, où ça s'est terminé au timer. Une avec Fresh Lobster et Martin Pio, qui est français, en faveur de Fresh Lobster, et une sur Souris et sur moi, en ma faveur. Ouais, c'est ça, le timer punit le joueur le plus lent sur la dernière game. C'est débile. Oui, c'est débile, mais... Oui, mais je suis entièrement d'accord, hein. C'est complètement débile. Mais tout le monde est à la même enseigne. Les gens le savent. Bon, on est au T3 ici, j'ai pris mon sculpteur. J'ai pris mon sculpteur et... Ouais, il n'y a pas de MF. Il n'y a pas de MF, je développe. Je développe ça avant de poser Irelia. Comme ça, mon duo prendra son petit boost de la part d'Irelia. Ah ben clairement, c'est un système inégal. C'est un système inégal sur si tu prends l'ensemble des trois parties, c'est clair. Ça devrait compter toutes les parties, le timer de toutes les parties. Mais le problème, c'est que t'as pas d'infos en fait sur les autres parties. Quand t'arrives à la dernière partie, tu sais pas les timers généraux, donc c'est un bordel. Honnêtement, c'est un bordel. Il suffirait juste qu'il laisse un peu plus de temps aux joueurs. Peut-être que 5 minutes... Parce que là, ils ont réduit par rapport au premier saisonnal. Ils ont réduit de... Un quart d'heure, si je dis pas de conneries, les rondes. 10 minutes, un truc comme ça. Donc mine de rien, c'est... C'est gros, c'est énorme. Parce qu'on n'est pas à 15 minutes près, on est vraiment à 5 minutes près pour finir les games, quoi. 5 minutes, ce serait peut-être suffisant de rajouter 5 minutes ou 10 minutes. Alors 10 minutes, ça fait peut-être beaucoup. Sur les rondes suisses, ça rajoute forcément 90 minutes, et ici, ça rajoute 50 minutes. Mais voilà, faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut un championnat sain, où il n'y a pas vraiment de ce genre de frustration? Bon, le choix est quand même vite fait, de mon côté en tout cas. Je préférerais que ce genre de choses n'arrive pas, quoi. Ben c'est normal, mais moi aussi, après mon match contre Souris, le match contre Fresh, je l'ai fait à une vitesse incroyable. D'habitude, je joue normalement, quoi. Je joue pas... je rope. Si je rope, c'est que je suis en train de réfléchir, quoi. Et d'habitude, voilà, quand il faut passer, je passe. Mais ouais. Tu,
Vous le voyez en fait sur sur certains matchs. Si vous faites attention au timer, il y a clairement un fossé des fois entre les joueurs. Il y en a qui réfléchissent beaucoup plus que d'autres. Et c'est ça qui creuse le timer. Si tous les joueurs allaient à la même vitesse, enfin, jouaient plutôt rapidement, il n'y aurait pas ce problème-là. Alors après, on peut aussi avoir l'idée de que Riot réduise le temps des tours. Au lieu qu'on ait, je sais pas, moi, à 30 secondes pour un tour, on peut passer à 20. Parce qu'on laisse quand même pas mal de priorités à toi, à moi, à toi, à moi. On n'a peut-être pas besoin d'autant de temps de réflexion. Et après, il y a cette, ouais, il y a ce timer qui tourne pendant les animations, qui est catastrophique. En gros, quand vous jouez votre carte, si votre carte a une animation, elle tourne pendant le temps adverse. C'est-à-dire qu'au moment où vous jouez votre carte, c'est fini. Votre timer s'arrête. Et c'est l'adversaire qui prend les timers. Et sur ça, j'ai failli me faire baiser contre Sori d'ailleurs. Parce que Sori, il avait un Tahm Kench avec avec les sorts, quoi, avec ses sorts de Tahm Kench. Donc à chaque tour, moi je me prenais une animation de Tahm Kench. Il y a eu aussi l'animation d'évolution de Tahm Kench qui était infâme. Enfin voilà, vous avez compris, c'est compliqué. Revenons à la partie. On a un petit peu lâché. Bon, j'ai perdu Irelia, je sais plus comment, hein. L'objectif, c'est de foutre des tartes avec Irelia. C'est comme son objectif à lui, mais en mieux. En mieux. Donc, il n'a pas touché à ma. Enfin, j'ai pas touché à Azir. Un champion en moins des deux côtés. J'ai le petit site qui fait du bien, quand même. Et ici, je sais pas ce que je fais. Je crois que je bloque pas. Je laisse passer 3. Parce que j'ai besoin de garder mes unités pour avoir un espèce d'avantage numérique. Re-Irelia, je pose immédiatement Irelia ici. On est à 11 sur 14. Donc dès que je vais faire ma lame, je suis en évolution. Et comme je vous dis, si les parties durent, c'est qu'il y a une raison. Et si les parties sont. C'est-à-dire si les deux joueurs sont très lents, eh ben ouais, on arrive sur une partie décisive au timer et c'est catastrophique. Voilà, le sculpteur qui vient m'embêter, hein. Ça vient un petit peu contrecarrer mes plans parce que ici j'aurais pu faire des choses beaucoup plus bourrines, hein. Ouais, le disque solaire. Oh, tu le verras pas en tournoi, le disque solaire, normalement. Ouais, donc là, c'est chiant. Le sculpteur est chiant. Parce que bah, le sort d'Irelia coûte 1. Le sort d'Irelia coûte 1, et au lieu bah, d'avoir, en fait, 4 mana pour pouvoir faire le sort d'Irelia, le switch d'Irelia, le soldat des sables en plus, bah du coup, je suis coincé. Je suis coincé à faire des choix ici. Hello, Kepada. Je suis coincé à faire des choix et mon choix, ça va être de mettre des baffes. Parce que je sais que voilà, il n'a pas de combat singulier dans son émission, il n'y a pas de frappe concertée. S'il y a une Irelia qui passe, elle passe. Et là, il est un peu plus en danger. Alors ce Bannerman, je m'y attendais pas. C'est chiant, parce que du coup, toutes les unités à 1 qui étaient prêtes à crever passent à 2. Et ouais, c'est un peu plus embêtant pour moi. Je vais pas poser ce soldat parce que ça sert à rien. C'est un soldat qui peut me servir en défense plus qu'en attaque ici. Parce que l'attaque ne fait rien. L'attaque ne fait pas grand-chose. C'est trop gratuit en fait pour lui. Par contre, je peux attaquer avec Irelia pour une deuxième sauce, quoi. Et lui faire manger une unité.
Est-ce qu'un seul joueur lampe peut, lui, tout seul, terminer le timer? Ça dépend. Ça dépend du deck du joueur lent, ça dépend du deck du joueur d'en face. Ça dépend beaucoup de choses, mais oui. Oui, c'est possible. Si un joueur lent est lent, et que ça fait 1-1, 100% tu finis en bas du timer. Regardez, avec Nawatix, on joue correctement tous les deux, il n'y a pas de... On prend notre temps ou quoi que ce soit, on joue correctement, à vitesse honnête. Les parties n'ont pas duré super longtemps. Et il nous reste 10 minutes là. Enfin, il nous reste 15 minutes du coup. Vous voyez, il reste pas grand-chose, hein, et on a des jeux assez actifs, quoi. Il n'y en a pas beaucoup des sorts. Des sorts, il n'y en a pas beaucoup. Il y a juste les ralliements et les plus 2, plus 2 et Valor. Et il y a 10 sorts quoi, dans son deck. Bon, là, j'ai besoin de défendre. J'ai besoin de défendre et en même temps d'attaquer. Le switch ici avec Irelia me permet de faire un bon trade. Ce sera une unité en moins. Et de toute façon, je sais que si j'arrive à gérer assez d'unités ce tour-ci, le tour d'après est bien, parce qu'il est à 2, et que j'ai un avantage numérique avec mon petit soldat des sables en main, et mon invocation. Alors, il y a beaucoup de top deck que je peux faire pour avoir un avantage numérique. Il y a énormément de cartes que je peux piocher, comme Azir, comme... Irelia, je crois que c'est fini, j'en ai plus. Je crois que c'est ma deuxième Irelia. C'est ma deuxième, donc je peux encore choper Irelia. Je peux choper tout ce qui est Danse des Lames qui remonte une unité en main. Enfin, il y a plein de trucs que je peux choper. Donc je suis assez confiant si j'arrive à résister ce tour-ci. Et à sauver mon Irelia. Ici, j'en ai vu beaucoup parce que j'ai regardé ce moment sur le live. J'en ai vu beaucoup qui disaient pourquoi tu vas pas sur le Challenger. C'est pour déplacer le Soldat des Sables en défense. Je tue exactement la même chose, une 4-3, et je m'en fous complet de tuer un challenger. En face, il y en a deux des challengers. Il y a Geneviève et il y a, comment il s'appelle, le Valor qui peut être invoqué aussi. Donc, ça m'est égal. Je préfère avoir un soldat des sables en défense plutôt qu'aller chercher ce petit Weldo. Donc là, hors de question, voilà, il a gaspillé tout son mana pour son plus 2, plus 2. J'avais gardé cette pierre taillée au cas où, et je sauve Irelia. Alors là, je crois qu'il attaque directement sur Irelia. Alors il attaque directement sur Irelia pour pas perdre Queen. Parce que si il prend la 5-4 sur n'importe quoi d'autre, sur la 1-2, ben, je peux mettre Irelia sur Queen. Et ça c'est très très dérangeant pour lui parce qu'elle évolue plus du coup. Donc il est obligé. Il est obligé de trade Irelia avec sa Geneviève. C'est bien joué. Et derrière, t'as l'attaque avec l'évolution et Valor. Qui devient un petit peu gênante. Et là, c'est pareil. Il va mettre l'aigle sur la 4-3 pour la tuer. Parce que sinon, ben, c'est Valor qui va sur la 4-3 et elle reste en vie. Et il n'a pas envie que ça reste en vie. Voilà, la petite queen évoluée. Et si je dois prendre, je dois absolument pas bloquer. Il lui reste deux unités à la fin du tour. Et comme je vous ai dit, moi j'ai un avantage au niveau du board. Donc faut pas bloquer. Je prends les dégâts.
Et là, faut développer. Faut développer, voir ce que je pioche. Il y a beaucoup de cartes, du coup, où je vous dis que je peux piocher. Et ça, ça en fait partie. Donc là, c'est GG. Je sais déjà que j'ai gagné la partie. Juste en posant ce soldat, parce que je vais être tout le temps en supériorité numérique par rapport à lui. Et qu'il faut que juste deux points passent, quoi. Voilà, là c'est fini, quelle que soit la dernière carte qu'il ait. Et c'est le 3-0 et le passage en demi. Qui fait du bien. Hein. Vous avez vu à quoi ça se joue? À rien. À que dalle. Mais j'avais beaucoup d'out ouais, pour gagner celle-là. Alors, après, on a la game contre souris. Que vous avez pas vu au début parce que vous êtes tombé que sur le Soraka Tamkencha, c'est ça. Si je me souviens bien. Je vais me faire un petit café, je reviens. Alors, souris, c'est assez chouette parce que on a eu les mêmes idées. Les mêmes idées de line-up. C'est super rare, surtout sur une line-up assez avec un Soraka Tamkench comme ça. Donc, très surpris et en même temps content. Les grands esprits se rencontrent. Même idée de line-up. Alors, du coup, par contre, au niveau des bans, on n'a pas eu le même choix. Moi, je sais très bien que Azir Irelia, je. Lui par contre me l'a laissé, donc j'étais très content de voir cet Azir Irelia rester, et surtout ce Akshan Sivir partir, parce que c'était pas vraiment ma tasse de thé, moi, Akshan Sivir. Ouais, mais n'insiste pas, Mamou, tu sais très bien que les questions à la con, si j'y réponds pas, c'est normal. Et on commence. Ouais, on commence directement avec le Akshan Sivir compliqué. Plutôt compliqué. La main est pas exceptionnelle. J'ai quand même Soraka qui fait plaisir. Mais j'ai pas le site. Donc la condition de victoire là pour l'instant elle y est pas. Salut Sourad. Je sais pas Clé. Non mais ça c'est une question. C'est une question bien. Par contre c'est le rajout avec la question de Mamlouk qui est pas respectueux, tu sais. Tu parles de respect, mais il aime bien. Je déconne. Ouais, donc le bracket Swad. Sur Twitter. Sur Twitter, tu regardes, t'auras des morceaux de bracket. Sinon sur les vidéos quoi, sur les replays sur Twitch,
de gaming ou de ou du live du live anglais. Mais sinon, c'est tout. Hein. Twitter. Tout se passe sur Twitter. C'est quel deck que tu vas jouer en premier le jour de l'expansion? Aucune idée, Phalanx. J'y ai pas réfléchi du tout. On verra ça mardi. Mardi, mercredi, mardi. Mardi soir. Bon, la main un petit peu bancale là, avec que des unités pourries. Mais une Soraka. Ce qui me permet d'aller chercher quelques petits trades potentiels. Un Amiphis, c'est sympa, ouais. Bah, clairement, un Amiphis full élusive avec des farces, c'est génial. On est cool là, on se respecte tous en fait. Presque tous. Ça dépend. En fait, ça dépend de ton humeur, Mamelouk. Si t'es d'humeur troll ou si t'es d'humeur pas troll. Ça dépend. Vous voyez déjà au niveau du timer, souris là. Il prend beaucoup de temps, il est déjà à moins d'une minute et on est au T4. C'est clairement pas normal. Faut pas que tu prennes autant de temps, quoi. Il attend le dernier moment pour jouer la pierre taillée, du coup. Alors c'est un choix compliqué, hein. Il peut, voilà, il peut se dire, bon, est-ce que je joue ma pierre taillée? Derrière, je peux prendre un boost. C'est pas évident, c'est clair. Parce que moi derrière je peux faire ce petit boost pour sauver l'octogoneur. Mais si je le fais, ben, je peux prendre une pierre taillée sur Soraka. Donc du coup, ben, je fais pas. Je le fais pas et je préfère garder ma Soraka en vie plutôt que l'octogoneur. Parce que clairement, il n'y avait pas vraiment de raison de faire ça sur l'octopus s'il n'y avait pas un plan B pour me tuer ma Soraka. La petite voyante sur Soraka qui mange pas de pain, qui me permet de full heal en plus grâce au spell à 4 et qui va mettre ma main à l'abri, quoi. Protectrice, protectrice sur 4-3. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a ce côté-là aussi. Bah, il a internet. Il a internet déjà. Ici, logique, hein. Je sauve ma Soraka, il n'y a pas vraiment de commentaires à faire. Je prends quand même les 3 du milieu pour garder mon unité qui peut fonctionner avec Soraka au tour d'après au cas où. Et derrière, j'ai toujours pas le site. Bon, j'ai pas de Tahm Kench. La main est pas extra. Je crois que je vais tenter un deal. Je vais tenter un deal sur la 4-3. Je sais plus ce que je fais là. Je sais plus ce que je fais. Je
Les choix sont tellement pas évidents. Ouais, j'hésite, je sais pas quoi faire ici. Je sais pas si je dois poser d'abord, attaquer ensuite. Là, j'évolue, donc il y a moyen que je puisse dealer sa chasseuse avec le pal cascade. Mais du coup, si je veux faire le pal cascade, je suis obligé de poser la voyante. Donc déjà, là c'est clair, maintenant, je pose la voyante. Pour jouer ce scénar. Et j'ai perdu super beaucoup de temps sur ce tour-là. Zoé Poppy, ah ouais? Zoé Poppy, t'es 2 papillons, t'es 3 mentors, t'es 4 Poppy, t'es 5. Ok. La finesse. Tu joues jamais le spell de Zoé, du coup, tu gagnes avant. Du coup, tu peux mettre Timo. Tu mets Timo et tu mets les 2-1. Les 2-1 élusifs, plutôt. Merci Swad, merci beaucoup pour le Prime, ça fait plaisir, bienvenue. Allégeance Targon, c'est bon ça. Ouais, les souris pareil, il hésite beaucoup. Beaucoup d'hésitation. Bon maintenant moi c'est clair, mon plan de jeu c'est Soraka, je grabe. Pas le cascade, je booste. Mais par contre, ouais, je fais l'inverse, je crois. Vu qu'il y a la 6-4, non, je sais pas. À ce moment-là, les neurones commencent à cramer un peu. Hein. J'hésite toujours là, je sais pas sur qui je veux péter le cul à la chasseuse. Je sais pas si. Je sais pas si c'était le bon choix de faire ça. Le truc c'est que de toute façon, cette 2-3 se serait faite empaler. Par une unité en face. Ou juste laisser passer en fait. Donc derrière, c'est pas vraiment un problème d'unité parce que j'en ai assez. Et ouais, je sais pas. Le Akshan qui arrive au bon moment, pile poil au moment où le site va évoluer. Je vous en parlais sur la première game de temporiser un Akshan, si jamais vous en avez un deuxième, jusqu'à la fin du site pour profiter de son évolution. Bon, je suis dans la panade, hein, j'ai toujours pas le site pour commencer à blinder ma condition de victoire, donc pour le moment, ben, je fais du sur place, je défends. Tant bien que mal. Je sais pas. Ici, je patauge. Hein. Je sais toujours pas quoi faire de mieux pour temporiser dans les meilleures conditions. Je crois que je passe ici et je le regarde attaquer. Ou alors je pose juste une. Juste le crabe. Donc je passe. Il y a plein de mèmes sur la 4-3. Parce qu'elle est trop forte, c'est ça? Vous avez vu, on a une autre 4-3 pour 3 qui est sortie aujourd'hui, mais qui n'a pas de texte. Elle a juste une unisson. 4-3 pour 3 unisson. Ouais, donc il fait bien attention de bien mettre les unités qui font le plus de dégâts primo. Il peut évoluer à Akshan facilement.
Ici, je dois. Parce que mine de rien, il y a potentiellement létal pour lui ce tour-ci. Je peux pas enlever le bouclier plus silence, la 6-4. Donc s'il y a tout qui part sur la 6-4, je suis en danger. Donc je vais devoir faire un choix. Voilà, petit choix à la con. Je décide quand même de mettre. En fait, j'hésite toujours là. Je sais pas ce que je fais. Je sais pas si je mets un bastion pour bloquer la redoutable, le plus 1 plus 1. Je sais pas si je bloque cet action. Vous voyez, là, je suis à la rue. Hein. Je suis légèrement à la rue. Le site qui arrive maintenant, mais c'est un peu just. Là, actuellement, je prends 10. S'il y a du boost, je peux survivre grâce à mon soin. S'il y a deux boosts de plus 3 ici, je survis grâce à mon toucher. Je crois que je reste comme ça, ouais. Là, ce qui met... ouais, ce silence sur action, il est bien, parce que s'il meurt, bah, il évolue pas, et vu qu'il a un d'évolué, ça m'arrangerait vraiment qu'il meure ce tour-ci. Et en plus, mon unité survivrait. Malheureusement pour moi, il y a un expiateur. Qui me condamne un petit peu ici, hein. Faut l'avouer, je vais avoir du mal à résister à la pression. On a Akshan qui évolue. Et ouais, ben là. Ben là, compliqué quoi. La source est là, c'est chouette, mais je suis à 6 PV. 6 PV, je suis potentiellement pas capable d'encaisser encore une fois cette surpuissance. Parce que j'ai pas de quoi défendre en plus à 6. Je me demande s'il rallie pas en plus ce tour-ci. Je crois qu'il y a un rallye qui part. Pour me mettre dans la sauce. Ouais, en fait, là, je me dis. Non, mais attends. À ce moment-là, là où il passe, là, je me dis. Il n'y a pas de rallye. Il n'y a pas de rallye, et du coup, je continue de poser pour mettre un maximum de bloqueurs. Il y a 4 attaquants en face, on va essayer de mettre notre défenseur. Même si, voilà, la 4-3 redoutable, pour l'instant, je peux rien faire, à part avec Bastion. Mais il me faut un quatrième défenseur dans tous les cas, si jamais il open. Je choisis ça parce que c'est potentiellement ma plus grosse unité, hein. Il va y avoir deux soins à la fin du tour. Et on passe. On passe, on passe, on passe, et alors là je me souviens plus trop ce qui se passe. Ah, y a tout le monde qui va prendre bouclier, frappe rapide, c'est là où je suis dans la sauce complète. Je peux empêcher la... Je peux empêcher, pardon, la 6-2 de me tuer, c'est sûr. Et c'est là où je crois que je prends un rallye. Un rallye fatal.
Parce que là, clairement, je suis obligé juste de bloquer, de chump. Je peux pas sauver mes unités. Je crois que j'appuie sur OK, là. Je bloque juste comme ça. Voilà, là, je suis en négatif sur le temps. Du coup, mes tours, en fait, durent pas longtemps. Je suis à la rope dès le début, quasiment. Et Sori y arrive aussi. On est à 1 minute d'écart. Même pas, on est à ouais, moins d'une minute d'écart. Et cette partie a peut-être fusillé la rencontre parce qu'elle a duré très longtemps. Si, c'est, je t'avais répondu tout à l'heure, Vesol, timer négatif, tes tours durent moins longtemps. Tu pars en corde directe. Ouais, ici c'est le battle, il tente de mettre le létal justement pour faire en faisant passer la surpuissance, pardon. Donc je décide de mettre la protection astrale pour ne pas mourir. Pas de soucis. J'ai l'habitude de pas être écouté, Vesol, t'inquiète. Ah oui, le timer. Ah oui, d'accord, donc t'as vraiment pas écouté tout ce que j'ai dit sur les timers. Non, mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir, c'est vraiment génial quand quelqu'un pose une question et que je réponds. Ça fait super plaisir. Donc je vais répéter. C'est ça. Ça me fait chier de répéter, j'avais quand même super bien expliqué, quoi. J'ai l'impression d'être un perroquet. Vive ma vie de streamer perroquet. T'aurais dû... Mais en fait, je t'ai répondu directement quand t'as posé la question, quoi. C'est pour ça que je ne comprends pas. Mais bon. Désolé. Attends, on va finir quand même cette phase-là. Du coup, le boost est parti sur le score point. Il retente un combat singulier pour me relétal. Et j'ai ce bastion qui va me sauver de cette phase d'attaque. Donc le timer, Vesol, le milieu, c'est la durée de la rencontre. Les deux autres timers, c'est les timers personnels des joueurs. Okay. Si les timers personnels des joueurs arrivent en dessous de 0, le temps du tour des joueurs est diminué. T'as beaucoup moins de temps dans un tour, tu pars directement avec la robe qui démarre au bout de quelques secondes. Le timer de la rencontre, quand il arrive à 0, tu as 5 minutes de rab. Et au-delà de ces 5 minutes de rab, quand elles arrivent à 0, c'est comme aux échecs, c'est le joueur qui a le moins de temps qui perd la partie. La partie n'est pas finie. Tout simplement. Et donc j'ai pris la comparaison des échecs parce que c'est exactement le même principe. Et c'est la dernière fois que je le dis, ok? La prochaine fois, c'est le chat qui répond. Il n'y a pas de tirage ce soir, à Mabraïs. Hein. Vous jouez avec les tickets et y aura un tirage plus tard. Plus tard dans la semaine. Vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin d'être là pour le tirage. Je vous annoncerai les gagnants sur Discord directement. Alors du coup, on est encore dans cette game. Avec le site qui va proc. Comment je fais pour être encore dans cette game? J'ai rien suivi là du coup, hein. Je sais plus trop ce que je fais. On a Soraka qui se fait tuer, Soraka est remplacé. Il me semble que je finis la partie pas loin d'avoir la combo. Hein. Si un joueur a son timer à moins 5 et que le global est positif, ça continue ou le joueur perd? Ça continue. Ça continue. Tant que le timer global est actif, on continue.
Là, j'ai vraiment l'impression. Là, c'est un signe. Hein, c'est... Il met pas une 5-2 éphémère pour rien. Il y a un rallye qui arrive. Et je peux pas vraiment. Je peux pas vraiment défendre ça. Il y a. Ouais, je crois que c'est là. Attends. Est-ce que c'est là où je dois attaquer avec Soraka? Bah, je le fais après, je crois, donc c'est pareil. Enfin, mais je la perds de pas grand-chose. Hein. Ouais, là, je fais n'importe quoi, là. Ouais. Il faut que je mette la 2-7 à droite. Je vais le faire ou pas? Parce que j'ai le temps, ouais. C'est bon, j'ai le temps. Voilà, bonne phase de bloc. Ouais, je suis au max. J'ai eu la source un peu tard, quoi. Parce que là, ce que je fais après, du coup, c'est que j'attaque avec Soraka plus le tronc. Et je passe à 21 sur 22. Regardez. 1-19. La mémoire. Donc, j'étais pas loin. Il n'y a aucune raison pour lui de bloquer. Je sais pas pourquoi il bloque. Enfin, il veut passer les dégâts, mais. Ouais, il bloque pas. Non, mais il bloque pas. Non, il bloque pas. Salut, Mister, merci. Et donc voilà. Première partie assez intense. J'ai galéré. Derrière, on a Azirelia Tamkench que vous avez pas vu. Oula. Azirelia Tamkench, donc 1-0 pour Souris. Azirelia Tamkench, ben, je suis plutôt bien, quoi. Je me sens bien avec mon Azirelia. La petite sortie sympa avec Azir en main de départ, plus le Kinku qui peut vraiment l'embêter. Le Tamkench est chiant. Parce qu'il peut gérer Azir, il peut gérer Irelia. J'ai de quoi répondre avec les remontées en main qui font bien sûr réapparaître. Les champions de mon côté, mais il peut contrer avec Bastion. Le problème, c'est que s'il contre avec Bastion, ça lui prend beaucoup de mana dans un tour. Donc, voilà. C'est quand même très dépendant, mais il y a quand même beaucoup de pression de la part d'Azirelia pour que ce soit un mauvais match-up pour moi. Et là, je commence bien. J'ai le Kinku, j'ai le duo parfait T3 avec Irelia, et un Kinku qui va devenir très gros. Alors ici, je fais le choix d'être très offensif et de ne pas jouer au tour. Alors, s'il a un plus 0, plus 4, c'est pas grave, j'ai le plus 1, plus 1. S'il a un pal cascade, c'est pas grave, j'ai le plus 1, plus 1. La configuration où il me nique, c'est s'il a deux pal cascades. Et clairement, je trouve. Alors, cette pal cascade, vous avez vu, il vient de la choper. Je fais le plus 1, plus 1. Est-ce qu'il a une autre pal cascade? Oui, il a une autre pal cascade. Du coup, je me suis pris la double pale cascade, malheureusement. C'est fait. C'est fait, les pales cascades sont parties. C'est très chiant de perdre Irelia, mais je peux pas rester dans mon coin. Je peux pas rester dans mon coin sur des choses qui ont très peu de probabilité d'arriver. Ici, pareil, j'ai les réponses à Tahmkench, donc ça va. Je suis pas trop embêté. Je sais que je peux mettre une putain de pression. S'il avale Azir, je peux le remonter et jouer mes danses des lames. Alors
Ah oui, non mais si c'est à refaire, je le refais, bien sûr. Tu tournes pas autour de deux pales cascades directement au début de la partie comme ça. Puis la deuxième, c'était un top deck. Enfin, la première qu'il a jouée, c'était une qui venait de piocher. Donc, c'est pas... Ça aurait pas été bien de pas attaquer, hein, au contraire. Puis j'ai une main correcte, derrière j'ai quand même Azir qui est là, j'ai la pression, ça va, je suis pas embêté. Là il doit gérer deux Kinku. Il y a deux unités, bon, au moins une unité là chez lui qui claps. Il y a 6 attaquants pour 4 bloqueurs. De Kinku 7-7, s'il en prend un, il passe à 5. Donc c'est la grosse pression. Je décide d'attaquer avec tout ici, je crois. Normal. Normal parce que si jamais il veut bloquer et faire des value trade, il prend quand même les soldats des sables qui mettent 2 dégâts. Et il laisse passer une 7-7. Donc là, il y a 9 dégâts qui partent. Toujours 9 dégâts. Voilà, il est à 3. À partir de ce moment-là, il peut bouffer ce qu'il veut. S'il y a un petit peu de danse des lames par-ci par-là, c'est cuit, quoi. Là, j'ai un boomerang, j'appelle ça les boomerangs, pour remonter Tahm Kench. C'est intéressant, sauf quand il a de la mana. Et là, je vais beaucoup hésiter, en fait. Je vais beaucoup hésiter pour le jouer. Je peux pas jouer Azir, ça c'est sûr. Je peux pas jouer Azir parce que je me le fais avaler gratuitement. Donc j'attends. Je suis pas pressé, je peux tout faire pendant mon tour. Du coup il passe, comme je joue rien, c'est normal. Et là c'est parti. En avant. On peut jouer le Azir. Quand il arrive, il évolue. Mais j'hésite beaucoup. Là je suis en train de réfléchir à mon plan de jeu parce que c'est le tour où je peux gagner en fait. Parce que j'ai assez de mana pour poser Azir, le remonter, le reposer, faire danse des lames, attaquer avec tout, et faire pas mal de dégâts en fait. Parce qu'une fois qu'il a utilisé le sort de Tahm Kench, c'est fini. Il n'y aura pas d'autre gestion pour Azir. Mais je me pose quand même la question de est-ce que je fais la remontée pour prendre Bastion? Si je fais la remontée et que je prends Bastion, c'est dommage. Par contre, si je fais la remontée, son spell qui avale ne sert plus. Parce que c'est pas le même Tahm Kench. Donc voilà, mais il a beaucoup de mana. Donc au final, je vais m'orienter sur la pose d'Azir et le potentiel sauvetage voilà, sur son avalement. La danse de défi, je vais la mettre de côté. Je peux tout jouer en fait ce tour-ci, pardon. Je peux jouer Azir, mener et suivre, les danses des lames et le petit boost. Et c'est là, je crois, où Sori va faire une erreur, c'est de faire le Guaki. Il fait le Guaki sur Azir qui. Qui va tuer son Tahm Kench, je crois. C'est là où il perd son Tahm Kench. Kratos. Parce qu'il a pas regardé l'œil, c'est fait attendre. Ouais, non, c'est ça. Je rappelle, ouais, c'est pas celle-là où personne Tahm Kench, c'est quoi. C'est la partie d'après, peut-être, je sais plus. Non, mais oui, c'est comme souris. Et à un moment donné, je crois qu'il. C'est sur la partie d'après. Alors, il avale mon Tahm Kench. Et il oublie de le soigner avant, du coup, il perd son Tahm Kench, Kratos. Non, c'est peut-être cette partie en fait. C'est peut-être cette partie parce qu'elle se finit pas ce tour-ci là, c'est sûr maintenant. Ouais, donc là. Bon.
le très bon silence sur Azir, du coup. Les lames qui sont que 1-1, pas de soldats des sables en plus. Il y a tout le monde qui va attaquer, hein, quand même, parce que Azir ne peut pas être tué, et que bah, ça fait une... Vu qu'il est à 3, ça fait une option supplémentaire. Je veux dire, il ne peut pas laisser passer Azir parce que je peux le tuer avec la pierre taillée. Donc il y a 3 unités qui sortent ici. Bon là il fait un move, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi il échange les deux là. Il va booster le crabe, je me souviens plus. Ah mais il est trop low, je sais pas ce qu'il fait en fait là. Je me souviens plus pourquoi il a échangé, pourquoi il perd du temps en fait ici. Ouais, je sais pas, il devait réfléchir à autre chose. Bon trade du coup. Il doit soigner le Tam Kench avant d'avaler cette fois. Et j'ai ce petit boomerang toujours. Ce petit boomerang pour faire chier Tam Kench. Et j'ai aussi cette petite illusive aussi. Qui peut mine de rien traverser les lignes ennemies. Ouais, c'est là où il a fait n'importe quoi. Là, voilà, il a soigné l'octogoneur et il tente d'avaler mon Azir alors qu'il a un Tam Kench 2-2. Et du coup, voilà, j'ai fait OK. Hein. Il a fait un petit loupé. Et il perd la... Enfin, de toute façon, il perdait la game, mais là, il a perd bien, quoi. Il a perd lourdement. Je remonte l'octogoneur. Alors pourquoi je le remonte? Parce que, bah, tout simplement, parce que ça fait l'état là. Il est obligé de bloquer en fait. Et s'il bloque et qu'il a pas un silence derrière, je le tue à la pierre taillée. Ouais, mais quand je vous dis que c'est fatigant, quand t'arrives à ce moment-là, la compète, t'as déjà joué des matchs très très fatigants. De faire une connerie, voilà, c'est... Bon, après, des conneries comme ça, c'est vrai que c'est énorme. Mais, voilà, ça arrive à tout le monde. Donc là, ben, j'attaque, forcément, j'ai l'étal, et ils lui font un silence pour pouvoir arrêter le létal, ce qu'il a. Hey yo, Joko! Coucou, salut Jik. Merci pour le raid et bienvenue, tout le monde. On est sur la review des games du saisonnier que vous n'avez pas vu. Et voilà. La victoire d'Azir sur Irelia. Sur Tam Kench, sur Soraka. Voilà. C'était tous les matchs que vous n'aviez pas vus. Le reste, vous les avez suivis en live. Donc, je sais pas si c'est vraiment la peine de les regarder. Est-ce que vous voulez recommenter? On peut peut-être recommenter le match contre Fresh. Parce que là, alors là du coup, le match contre Souris, c'est nul. C'est nul, c'est du timer, quoi. Y a rien à dire, en fait. Y a rien à dire, c'est du timer. Il m'envoie les animations, j'envoie des trucs. C'est nul. C'est du timer. C'est du timer et je crois que je gagne à 10 secondes le timer. Voilà, on va regarder les animations. Vous voyez quand... Regardez, là il a le timer sur lui. Quand il largue... Voilà. Souhait de Soraka, hop, il met sur la pile, tout le timer est pour moi. Les animations, c'est moi qui me les bouffe. Donc là, je perds au taquet de temps. Hop, 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 le temps que ça remélange Soraka dans le deck, je perds du temps. L'animation de Tam Kench, pareil, il va jouer l'animation de Tam Kench.
Et vous allez voir. Là aussi, je pense qu'on a été cons tous les deux. Moi, je perds du temps parce que. Enfin, là, je réfléchis si je dois poser Tahm Kench, mais je dois, jamais je dois réfléchir autant de temps là. Je dois passer direct en fait. Je dois passer direct et le laisser jouer. Mais dans cette partie-là, il devait être pareil que moi. T'es focus sur la game, le chrono il est à gauche, tu sais, tu fais pas gaffe. Tu sais que ça va se jouer au temps, mais tu fais pas gaffe en fait, parce que t'es concentré pour, voilà, pour essayer de jouer correctement. Donc t'as les tours qui passent à une vitesse folle. Toi tu fais n'importe quoi, lui il a fait n'importe quoi, moi j'ai fait n'importe quoi aussi. Voilà, il y a des tours où je rope, où je réfléchis à poser Tahm Kench. Vous avez vu l'animation de Tahm Kench, ça m'a bouffé du temps. Là, je réfléchis pour poser Tahm Kench, alors que je dois pas réfléchir, c'est instant, je la pose, quoi. Tu vois, la carte. Je dois pas réfléchir à ça. Là, c'est pareil, je dois pas réfléchir. Déjà que je me prends les animations de ouf sur l'évolution de Tahm Kench et le mangeage des unités, mais je dois pas réfléchir. C'est hop, soit je passe le blocage, soit je mets un bloc et j'appuie sur bloquer. Voilà, on a fait les comptes tous les deux au niveau du timer. Et je peux vous dire que ce sera la dernière fois qu'on se fera avoir tous les deux de toute façon. Parce que là, celui qui passe, de toute façon, c'est. On maîtrisait rien. On maîtrisait vraiment rien. Ça aurait pu être lui, ça aurait pu. Ça aurait été la même chose, quoi. Hop. C'est 8 secondes, je crois. Quand tu bouffes quelqu'un, c'est 8 secondes. Tu vois, là, je sais même pas qu'est-ce que je fais. Je suis en train de target mon Tahm Kench avec mon sort. C'est panique à bord. Panique à bord, l'animation qui part direct. Même s'il y a un bastion, il y a quand même l'animation, quand même. Hein, faut pas exagérer. Voilà, il reste. Alors, je sais pas si. Voilà, c'est fini. Je sais pas pourquoi j'ai joué la carte, en fait. Parce que j'aurais jamais dû. Mais. 16, 15, 14. Vous voyez, et là, il y a. On est au même timer. Hein. On est au même timer, c'est un truc de ouf. Genre, il aurait jamais dû bastion, en fait. Il aurait jamais dû bastion, il a perdu du temps. Et hop, pff, 10 secondes. C'était stupide. Un no-brain. C'était plus un match de Runeterra, en fait. C'était fini. Donc ça, ce serait bien qu'ils corrigent. Au moins, tu vois, s'ils font rien pendant sur le temps, ce serait bien que quand il y a une animation, ça la file même pas, ça te met pas le timer à toi ni à l'adversaire. Le temps s'arrête quand il y a une animation. Ça, ce serait bien. Pas le temps de la rencontre, le timer, les timers perso. T'as une animation, les timers perso, stop, des deux joueurs. Comme ça, tout le monde est à égalité, les animations n'influent pas sur les timers, et au moins c'est OK. Et on ne peut pas abuser de ça. Ouais, j'avais 1 minute et quelques d'avance, mais je me suis fait baiser par ces animations, parce que moi j'avais jamais rien à jouer en fait. Et lui, oui. Alors c'est bizarre à dire, mais le fait de rien avoir à jouer, ça m'a niqué, parce que j'ai pas pu lancer d'animation. C'est stupide, hein? C'est complètement stupide. Mais lui, il avait Tahm Kench à chaque tour, donc il y avait 8 secondes dans ma gueule à chaque tour que je pouvais rien faire. Et moi, j'avais juste des cartes à mettre sur le board, quoi, c'est tout. Donc je lui faisais pas perdre de temps. Dans l'histoire, j'ai failli me faire baiser à cause des animations. Tu vois? Donc c'était chaud, ouais. Mais j'avais 1 minute 30 d'avance, 1 minute 30 d'avance à un moment donné. Enfin bref, voilà, c'est à revoir. C'est à revoir, je pense que. Voilà, ce que je vous ai dit sur les animations, que ça doit stop quand il y en a une. Pour les deux joueurs, ça me paraît être le plus fair possible pour que ce soit un bon déroulement.
Hey Fresh. Perfect timing, yes. It's not in English, but if you have question in English, I can answer. Le timer des joueurs est reset à chaque game. Le timer des joueurs est reset à chaque game, exactement. Ok, donc Fresh, il a une line-up très costaud aussi. Hein. Il n'est pas arrivé là par hasard, c'est un bon joueur, mais il a une line-up très costaud. On a le Lee Sin que je target, donc je suis content d'avoir un Lee Sin ici. C'est ma porte de sortie, hein. Clairement, c'est le deck que je target, le Lee Sin. Donc je suis très content de le voir là. Le Akshan Sivir, je suis content aussi de le voir là, parce que je sais que ça va partir en ban direct. En plus, c'est le deck... C'est le deck coup de cœur et le deck qui marche très bien de Fresh. Il a fait des très très bonnes séries avec et j'ai pas envie de lui laisser. Hein. Clairement. J'ai pas envie de lui laisser, donc ça va se bannir. Why? Why did you ban Sivir over Lulu Zed? Yes. I ban your action severe because it's your favorite decks. You have good stats with it. You have confiance. Je sais pas comment on dit confiance en anglais. But you have good hope with him. You are good with him. You have confidence with him. And I decide naturally to ban him. Zed Lulu, for me, it's okay. It's okay if you win with. I am okay. I am okay. I prefer that. And I am okay aussi. Also of the fact of Lulu Zed. It's a start deck, and you can break more easily this deck than action. It's okay, but I accept if you win with Lulu Zed, it's okay. Because I target primarily your Lee Zoe. Donc dans le match en fait ici, sauf surprise, je sais que ça va pas faire 2-0. Si je dois gagner la partie, ça va faire 2-1 parce qu'il y a un deck, il y a le Sivir Z, le Lulu Z qui va passer normalement. Mais j'ai quand même petit espoir qu'il fasse un petit brick et que je passe dessus. Donc logiquement voilà, je vais bannir son action Sivir parce qu'il a beaucoup de confiance en lui, et que de toute façon ben, ça peut passer mes 3 decks autant que Lulu Zed, même si ça a moins de chance. Et derrière, derrière lui, je crois qu'il bat. Ben, je crois qu'il a aussi peur de l'Akshan Sivir, hein, il le ban. Hein. Merci Clay. Akshan Sivir, c'est mieux que Sivir Zed, c'est pas pareil. Il n'y a pas de meilleur, ça va être mieux contre certaines choses et moins bien contre d'autres. Donc voilà, c'est parti. Mais j'ai hésité quand même longtemps. Hein. J'ai hésité quand même longtemps. Tu vois, même là, en fait, sur les autres matchs, au moment de bannir un deck, je suis sûr et certain de mon ban, j'y vais. Là, j'étais encore en train d'hésiter. I always hesitate at this moment to ban Lulu or to ban Akshan. Donc je réfléchis. Je réfléchis encore, je me laisse quelques secondes de réflexion. Donc les deux Akshan Sivir sont bannis et c'est parti. C'est parti, on change pas une équipe qui gagne, le Soraka Top Genge. On y va. C'est
Ah, ce bordel, putain. Attendez. Toujours ce problème de... Ok. C'est parti. Donc, Lissine contre Surakatam Kench, c'est plutôt en ma faveur. J'ai la source, c'est un super bon point. Et derrière, ben, je vais essayer d'avoir un bon mulligan, mais j'ai la source. Donc, je peux juste virer... Ah, y a... Allez, let's go. Donc, ce que je disais par rapport au mulligan, c'est que j'ai la source. J'ai la source et GT1 et GT2, donc c'est un très bon start. Derrière, il me manque juste les champions. Donc, je fais mon mulligan du plus 4, du plus 4 en défense. Ah, mais c'est pas possible, pourquoi la vidéo bug ? De ma gueule ou quoi? Ouais, let's go. On touche plus. Donc voilà, je mulligan le plus 0 plus 4. Et je suis plutôt pas mal avec la bergère des étoiles T1, voyante T2, source étoilée en suivant. Il manque juste les champions. Alors pourquoi c'est un bon match-up contre Lee Sin? De 1 parce que la source il peut pas la gérer, il n'y a pas de solution pour lui. Donc s'il est trop lent, il va se faire avoir par la source. On a aussi un moyen pour lui, pour Lee Sin, c'est qu'il pose rien au début. Mais attention, s'il pose rien, moi si j'inonde mon board d'unité, il peut aussi mourir aux dégâts contre un Surakatam Kench parce qu'il a pas beaucoup d'unités. Donc il y a un entre-deux à faire, des compromis aussi. C'est pas si évident que ça pour le Lee Sin de gérer ça. Le Tam Kench, bien sûr, peut avaler le Lee Sin tout en étant boosté. Et là, pareil, il n'y a pas vraiment de solution à avoir. Il y a Silence qui peut l'aider, mais moi j'ai Bastion. Il y a sa volonté de Yonia qui peut l'aider, mais pareil, j'ai Bastion. Donc il y a des plays compliqués pour gérer le Tam Kench. Donc pour l'instant, sortie correcte. Alors on voit pas la main de Lobster ici, je me souviens pas. Je crois que j'ai pas vu le match. Je me souviens pas de la main. Bonne nuit, c'est bourse. Donc là, il y a petite attaque du 1-3 qui me paraît un petit peu suspecte. De toute façon, j'ai qu'un mana, donc je peux pas m'amuser à bloquer pour qu'il fasse un trade sur mes unités. Il peut jouer pardon, une pale cascade, ce serait gênant. Du coup, voilà, je bloque pas, je soigne mes unités. Et là. Il y a quelque chose d'intéressant à faire pour moi, parce que bien sûr la source, ça marche que sur les unités blessées. Donc j'ai ce sort qui permet, et c'est fait exprès, hein, c'est sur les decks où il y a des menaces, ça me permet d'aller les chercher, et sur les decks passifs, ça me permet d'aller blesser mes unités. Donc je vais infliger 2 points de dégâts à une de mes unités pour aller chercher 2 unités et blesser mes unités. Le but c'est même pas de tuer les siennes, le but c'est de blesser les miennes. C'est tout. Et c'est pour ça que je vais attaquer avec ma 0-3 sur une 1-3 et la 4-3 sur l'autre 1-3. Bon là, par contre là je la tue, enfin je suis censé la tuer. Mais voilà, à un moment donné faut jouer, l'important c'est de blesser la mienne. Voilà, à ce moment-là je me dis bon, à la limite j'en perds une des deux. Je prends un petit boost... Je perds la 4-3 ou je perds la 0-3. Manque de peau. Il a les 2 plus 3 plus 0. Et là, je vais avoir encore un choix compliqué à faire, mais pas si compliqué que ça en fait. C'est que c'est pas très grave si je perds ces unités-là. Je profite pas de la source, certes, mais le silence sera beaucoup plus efficace sur un Lee Sin. Je peux pas me permettre de lâcher un silence ici juste pour sauver... Cette 4-3 ou cette 0-3, enfin bref, je peux pas. Je peux pas faire ça, c'est pas possible en fait. Donc on y va. On garde le silence en main. J'ai quand même beaucoup réfléchi, hein, mais je me suis quand même projeté plusieurs tours après. Et une seule attaque de Lee Sin en fait me tue.
Donc je peux pas lâcher le silence sur autre chose que l'ici, pas possible. Le silence, c'est pour le létal. Donc voilà. Ciao. Il y en a une qui part, il y a un value trade qui part pour lui. On est quand même... enfin, moi, je suis quand même mieux en carte advantage pour l'instant. La main est pas super, j'ai qu'une unité sur le board, j'ai 4 sorts en jeu. Enfin, 4 sorts en main plutôt. J'ai des sorts de pioche qui peuvent m'aider à aller chercher quelque chose. Salut Nico. Salut Soleil. Donc voilà, on attend de voir. Là pareil, s'il attaque, s'il y a une raison, parce qu'il n'y a aucune raison d'attaquer en fait. Donc s'il attaque, c'est en espérant que je bloque pour pouvoir tuer mon bloqueur. N'y a pas d'autre raison. Après, j'ai ce qu'il faut. J'ai un plus 0, plus 4. Il hésite beaucoup. Il hésite beaucoup parce que il doit certainement se soucier de ce plus 0 plus 4. Il doit se dire que j'ai peut-être pas, il a pas assez pour gérer ce plus 0 plus 4 et que ce serait vraiment chiant que je l'ai. Donc là, moi aussi, j'hésite un petit peu. Je me dis, tiens, silence, tout ça. Mais je me dis qu'en fait, s'il a vraiment les sorts pour déglinguer ça après ce que je vais jouer, ok, ça me va. Ça me va. Donc, vu que j'ai besoin de piocher, je vais commencer par jouer le toucher inspirateur, qui m'offre une deuxième protection astrale. Pour l'instant, ça suffit. Lui, fraîche, il va surenchérir avec toucher inspirateur plus pâle cascade, normalement. Ça lui permet de piocher. Et du coup, ben là, moi, j'ai une seule solution à faire, hein, c'est ce plus 0, plus 4. On vient booster la grenouille. Et on vient alimenter le site. Et surtout, il me reste 2 mana pour jouer l'octogoneur et prendre plus 2 sur la source. Voilà, pareil, je rechoppe des sorts. Toujours pas de champion. C'est vraiment la partie un petit peu du pauvre pour Sorakatam Kench. La partie toute mollassonne. Où tu essaies de te démerder avec chaque carte que tu vas piocher. Attaque logique, je peux défendre. Je peux défendre mes unités, il n'y a pas de souci sur les boosts. Bien évidemment, il va pas bloquer avec le dragon parce qu'il va, il va feed ma grenouille. Et le Lee Sin qui tombe. Très inquiétant. Très inquiétant parce que j'ai pas Tahm Kench. Et que même si j'avais Tahm Kench, c'est pas le bon moment pour le jouer. On pioche. L'octogoneur qui fait du bien, ça me rajoute un point supplémentaire sur la source. C'est pas le meilleur drop du monde, mais voilà. Hein. On se démerde. On est à 11 actuellement avec la source. Il me faut au moins 2-3 tours de plus, quoi, pour résister. Minimum. Ouais, mais vraiment minimum. Donc la Zoé qui fait pas plaisir. Parce que clairement Zoé, elle passe. Je peux pas m'amuser à l'orgue de silence sur Zoé, c'est pas possible. Le corps céleste qui passe pour piocher. Là ça commence à devenir inquiétant hein, parce que Lee Sin est évolué. Ici n'est évolué, je sais que je peux prendre une grosse claque ce tour-ci, et je sais que j'ai très peu d'unités, quoi. J'ai vraiment pas envie de... J'ai vraiment pas envie de perdre une unité, j'en ai besoin. J'ai besoin de la 3-2 pour qu'elle se soigne, j'ai besoin de la 2-6 pour qu'elle se soigne, j'ai besoin de cette 3-4 pour aller la blesser, pour qu'elle se soigne ensuite. De son côté, Fresh, il a quand même lâché 2 pales cascades. 2 plus 3 plus 0. Donc niveau boost, je me dis, je suis pas mal. Je peux peut-être encaisser une attaque de Lee Sin le temps que je gagne à la source. Donc là, la question que je me pose, en fait, elle est vite répondue, comme dirait un influenceur célèbre.
C'est le silence direct, en fait. C'est le silence direct pour pas perdre mes unités et éviter que Lee Sin, même s'il grabe, utilise son pouvoir directement. Ici, je me temporise... Je me temporise, en fait, un espèce de létal, quoi, pour moi. Mais surtout, je me laisse du temps. Je me laisse du temps pour la source. Donc, ouais, c'est intéressant pour moi, ici, de directement silence Lee Sin. Et qu'il fasse rien, qu'il attaque juste avec Zoé, quoi. Bon, bien évidemment, il y a le silence qu'il peut avoir avec son sort de Zoé. Il y a l'élusive qu'il peut avoir avec ce sort de Zoé. Même si l'élusive m'inquiète pas vraiment actuellement, mais ça peut rajouter des petits dégâts qui peuvent faire la diff. Bon, le deuxième, si je le pose, hein, ça sert à rien de le garder en main. Je peux faire un plus 2 sur mon octogoneur de droite. Mais voilà, les challengers sont importants ici parce que ça va me permettre d'aller chercher les deux unités de fraîche. Là, je passe. Je sais pas pourquoi il a joué ce tour-ci d'ailleurs. Ouais, il a peut-être essayé d'avoir le silence ce tour-ci pour le jouer directement. Un petit silence en plus qui fait du bien. Et là, la strat, voilà. La strat, c'est la même que le tour d'avant que je vous ai dit. C'est aller grab Zoé, aller grab Lee Sin, booster l'octogoneur pour qu'il encaisse la baffe. Potentiel, après, voilà, je sais qu'il y a toujours les étourdissements. Volonté d'Ionia. Volonté d'Ionia, c'est pas si embêtant parce que du coup, je peux reposer l'octogoneur qui pourra se soigner de deux quand même. Donc ça, ça me dérange pas de prendre la volonté. Le stun un peu plus. Le stun m'aurait mis dedans. Oh yeah! Et Elliot, coucou, merci beaucoup pour le raid et bienvenue tout le monde. On review la finale du saisonnier d'hier qui a été castée sur OGaming et je la review avec mes commentaires. On est sur la première game. Donc, du coup, cette volonté qui est partie, et merci Elliot. Cette volonté qui est partie pour gérer l'octogoneur, il a raison, Fresh, parce que là, la baffe à 5 dessus, ça permet 2 de soins maintenant et 2 de soins après, si jamais ça reste en jeu. La petite 3-3 élusive, on repose l'octogoneur pour le soin. Et là, j'ai 3. J'ai un plus 3 sur la source. C'est pas encore ça, je suis à 17. Il faut quelque chose, quoi. Il faut que je pioche quelque chose. Ce score point, c'est pas vraiment un top deck, mais c'est quelque chose à soigner, j'ai envie de dire, donc c'est ok. C'est ok, et là, Fresh, il va chercher le létal. Pour lui, il y a un silence qui est passé, il n'y en aura peut-être pas de deuxième. Il a chopé le boost qu'il faut pour aller chercher le létal. Voilà. Je me suis dit qu'au niveau boost, il en avait eu assez, mais il y a cette 3-3 élusive qui vient rajouter les dégâts. Donc 8 et 8, 16, plus 3, ça fait 19. Il y a assez de choses. Il a eu le bastion aussi, donc je ne peux pas silence le Lee Sin. Je vais devoir silence le petit marsouin volant. La petite loutre volante, plutôt. Et voilà. Là, je me mets un petit peu à l'abri avec la 2-7. S'il a un silence, il n'y a pas de souci. Je suis là derrière. Avec mon plus 0, plus 4. Le silence qui part. Le boost qui part derrière. Je vais perdre l'octogoneur. Je reste en vie grâce à mon silence. Et surtout, je vais alimenter la source de justesse avec les points qu'il faut, le score point. Donc là, j'ai un plus 4 à la fin du tour et j'arrive à 21. Et là, c'est dans les mains de Fresh parce que je vais pas piocher ce qu'il faut, hein, je crois. Ouais, toujours pas. Donc je pioche pas bien.
Et du coup, par contre, je suis à 21, donc j'ai juste à passer le tour et donner la main à Fresh pour voir s'il a une solution pour gérer ma 2-10. Alors, comme solution, il peut avoir Silence, mais je crois qu'il en a passé déjà. Il peut avoir y a que ça en fait. Il n'y a que ça qui peut le dernier silence qui peut l'aider. Et du coup, il pioche pas. Il pioche pas ce dernier silence et je gagne à un point de soin près. Cette première game. Yo, t'es tout. Donc ouais, pas évident. Pas évident. Je reviens pas de cette game parce que c'était compliqué pour le Sorakatam. Mais vous avez vu, on peut se démerder avec une source et trois babioles. Hein. C'est assez fou. Donc je vous laisse imaginer si j'avais eu Soraka ou Tahm Kench l'avantage que ça donne sur la partie, quoi. Bon là, bien sûr, c'est le mauvais match-up. C'est celui que j'accepte de prendre, de perdre plutôt. Luluzette qui est beaucoup trop rapide pour un Nazir Irelia avec la capacité insaisissable. J'ai tout mulligan ici parce que je cherche vraiment à avoir les champions et avoir ben voilà, le départ avec Azir surtout. C'est une des cartes essentielles du jeu donc il faut que j'aille la chercher. La main est pas terrible. J'ai pas de quoi être agressif. J'ai juste de quoi défendre. Avec le duo sur une élusive. Mais voilà, ce T1 qui arrive au T2 en plus, ça aide pas. Là, je crois qu'il attaque pas Fresh. Il préfère garder son unité. Si je me souviens bien. Ah non, hier soir j'ai dormi. Je suis crevé aujourd'hui aussi. J'ai dormi. J'ai dormi mal, mais j'ai dormi. Ouais. Et donc, comme je vous parlais de l'importance des champions dans Azir Aelia, ici, ben, je vais subir la pression énorme. Donc, l'élusive, je peux pas attaquer avec. Il fait un bon trade. Il faut que je la garde pour défendre sur la 1-2, prioritairement. Et voilà, je joue cette 5-2 pour aller chercher un champion. J'ai pas envie de me bouffer un mana, donc je vais chercher le champion avec cette 5-2, en espérant que ce soit plus Azir d'ailleurs, hein, qu'Irelia. Oui, c'est vrai que Fresh il a fait un petit truc sale mais qui a eu aucune incidence quoi. Il était tellement large en fait que c'était un misplay on peut oublier facile. Mais ouais, après c'est clair que ça fait toujours. Il vaut mieux le faire dans cette situation-là où t'es large dans la game que le faire sur un truc super important où t'es au dégâts près. Hein. On va le voir. Bon ben Azir. Azir qui arrive tranquillou. La sortie est chouette du côté de Fresh. On a Lulu qui combat bien avec la 1-2 et la 1-2 qui combat bien avec la 2-1 du coup. Ce qui rend mon élusive un petit peu cagneuse, j'ai envie de dire. Mais il hésite. Il hésite. Il hésite s'il doit protéger Lulu ou s'il doit protéger la 1-2. Ce qui n'est pas un choix évident non plus. Hein. Et choisis de protéger Lulu en priorité. Moi, naturellement, je vais aller chercher cette 1-2 parce que j'ai pas envie de rajouter ce +1/+1 sur la 4-4. Et c'est que cette 1-2 me fait. Non seulement ça me fait chier parce qu'elle est élusive, mais en plus, elle donne la frappe rapide à chaque fois avec le petit bonus de +1. Ça m'embête. Ça m'embête plus que cette 4-4. Donc, j'accepte de la prendre une fois, cette 4-4.
Je champ avec la 2-1 hein, parce que c'est pas très important pour moi. Et let's go. Let's go. Là, ce que j'espère, c'est que ça se calme un peu du côté du Z Lulu. Je sais pas, qu'il ait une main avec des boosts. Mais non, c'est un peu trop utopique. Moi, de mon côté, ben, je joue pour agresser, quoi. Je vais faire tout ce que je peux ce tour-ci pour mettre un maximum d'unités et attaquer. Y'a pas vraiment de réflexion à faire, quoi. Y'a pas vraiment de réflexion. Ouais, non. Non, faut juste que moi. Enfin, faut juste que j'espère qu'il n'y ait pas un rallye. C'est juste ça qui me fait le plus chier parce que mourir le tour d'après, c'est pas possible. C'est le rallye en fait qui me met dedans. Mais il y en a des rallyes. Il y en a beaucoup. Donc voilà, on bloque correctement. C'est là où je me mange le la robustesse qui fait mal. Je crois qu'il y en a une dans le deck, je sais pas, je me souviens plus. Mais elle fait super mal. Elle fait super mal parce que ben, ça sauve pas mal d'unités de son côté. La détermination du rôdeur. Oui, là, ça sauve quand même 3 unités. Ça l'empêche, bien sûr, de prendre des dégâts. Mais ouais, c'est très important, cette phase-là. Ma pierre taillée qui est juste un plus 1, plus 1 parce que j'ai pas joué de site. Je vais quand même essayer d'aller chercher Lulu. C'est normal. Même si je m'attends à un plus 0, plus 3, un plus 2, plus 2. Et l'attaque qui échoue. Et il est full board. Il est full board face à mon petit Azir. Donc là, potentiel létal sur la phase. Avec une Lulu qui évolue. Comment se déroule un sacrifice de chocolatine pour le dieu du Mulligan? Bah tu la manges. Tu la manges. Tu la manges lentement. Ouais. Donc là, il y a un petit peu de bordel du côté de Frey. Je pense qu'il a, il est pas au mieux là. C'est là où il va faire un petit peu n'importe quoi. Alors là, il hésite, je crois, à mettre. Voilà. Là, il hésite entre soit gérer Azir, de peur que j'ai retour à la maison. Hein. C'est le retour à la maison sur lequel il joue. Surtout, je pense. Et au final, voilà, il fait le bon choix. C'est de mettre tous les dégâts en dehors d'Azir et de rajouter les points manquants avec un plus 3, plus 0. Sauf que, voilà, c'est là où il fait n'importe quoi. Il met le plus 3, plus 0 sur l'unité qui va se booster avec Lulu. Voilà, petite erreur qui n'aura aucune incidence. Parce que derrière, bien sûr, il y a le rallye. Alors moi, par chance, j'ai un petit Tazir. Voilà. Au cas où, s'il n'a pas le rallye, au cas où, je vais essayer de d'enlever quelques dégâts. Alors, ce deuxième Dresse-toi, au final, quand je le regarde comme ça, c'était pas bien. C'était pas bien de le jouer. Il aurait fallu plutôt... je crois que c'était pareil. Hein. Voyons, laissez-moi en voir, mais... 9... Non, c'était pas bien. C'était pas bien, j'aurais dû ne pas poser ce deuxième soldat et garder l'élusif pour bloquer et rester en vie. Alors ça me demandait de perdre Azir, de perdre l'élusive, mais au moins je restais en vie un tour de plus. Par contre je faisais plus rien, j'étais mort quand même au tour d'après. Entre la peste et le choléra, hein. Mais la survie c'était de pas jouer le soldat 1-1. Le deuxième. On arrive sur le dernier match qui est en faveur d'Azir Irelia. Je vous rappelle que ma target principale, c'est Lee Sin, avec ma line-up. Donc, je suis confiant.
Tu es confiant sur ce match? Et ça commence très bien. Ça commence très bien parce que j'ai deux estrades de l'Empereur, qui est une des meilleures cartes du jeu. Hein. La meilleure carte du jeu, c'est Azir, Irelia et l'estrade. Donc bien sûr, je garde les deux. Je me permets de virer la danseuse. Oui, je me permets de garder la danseuse quand même. De virer la danseuse pour essayer d'avoir un des champions. Et paf, un petit champion. Donc c'est pas mal. C'est pas Azir, mais c'est Irelia, c'est pas mal aussi. À partir du moment où j'ai deux sites, Irelia, c'est très très bien. Donc le petit T1 qui va bien, j'ai le Kinku derrière qui est phénoménal. Bien sûr, je joue ce site. Il y avait plusieurs façons de la jouer hein, ici. Hein. Je pouvais aussi faire Kinku, temporiser les suites, jouer Irelia d'abord, mettre les lames d'Irelia. Il y a pas mal de trucs. Mais vu que j'avais ce petit soldat des sables, je me suis dit, je vais faire une grosse phase au Kinku. Une grosse phase au Kinku avec plein de petits soldats. Et on verra sur Irelia au tour suivant. Ça change pas grand chose. Pour le coup. Ça change pas grand chose parce que j'aurais pas attaqué avec Irelia. Alors que tout ça, c'est de la. Voilà, c'est de la chair à canon, quoi. Ça part. Ça part direct. Tout dans la face. Comment tu fais pour avoir autant de ressources vertes? Hein? Des ressources vertes. Le deuxième site? Non, pas de suite en fait. Là, si je pose le deuxième site, j'ai un Kiku beaucoup moins gros. Plus intéressant pour moi de poser le soldat maintenant, parce que je sais que le deuxième site pourra arriver au tour 5. Qu'est-ce qu'il dit le Mamelouk? Qu'est-ce qu'il a fait? Je remonte, j'ai pas vu. Elle venait forcément du sud-ouest avec leurs mots pourris. Ah. Ah. Le dérapage. Le dérapage du joueur ch'ti. Ah, les fragments, comment je fais pour en avoir beaucoup? Je joue depuis le début du jeu, tous les jours. Je suis créateur de contenu, je joue tout le temps. Donc j'en ai beaucoup. Donc le résultat, là. La petite phase d'attaque, il descend à 9. Double œil, c'est pas trop inquiétant pour moi. Double œil, ça va. C'est logique, c'est le départ normal pour un Lee Sin. Ouais, il est pas loin là, il est pas loin Nicole, c'est vrai. Il est pas loin de faire la glissade, la grosse glissade. Il est souvent tenté, ça finit toujours pareil. Mais il y a une commande, hein, les amis, si vous savez pas d'où vient l'origine de la chocolatine et pourquoi il faut dire chocolatine surtout, et pas pain au chocolat. Il y a une commande, chocolatine, et je vous invite à vous instruire auprès de ce magnifique article. Voilà, donc Irelia est posée, le site est posé. Là, à ce moment-là, Fresh, il a une mauvaise main. Il n'a pas vraiment une main très très bonne, je crois qu'il y a Lee Sin. Il y a le crapaud géant, là, la tortue géante. Il y a des sorts pas très bons. On va dire. Donc en plus d'avoir un mauvais match-up, il a une mauvaise main. Moi je continue à faire mon boulot avec cette danse des lames pour faire la première ouverture d'attaque. Première phase d'attaque.
Bah, c'est pas de la chance, Omina, c'est... C'est du farm. C'est du jeu. Poche. Poche, c'est horrible. Bah quoi, poche? Sac plastique. Poche. C'est plus court en plus. On perd moins d'énergie à dire poche. Ben non, ça a plusieurs définitions. Dans la langue française, il y a beaucoup de choses qui veulent dire. Qui veulent dire plusieurs choses. Ça en fait partie, la poche. Donc du coup, cette phase d'attaque qui met beaucoup de temps à se résoudre, débloque plutôt logique. Il essaie de garder le deuxième Dragono pour le Kinku. Et du coup, bah, deuxième phase d'attaque. Hein. Deuxième phase d'attaque, il a gardé 3 manas, donc là, potentiellement, moi, je peux recevoir Silence, je peux recevoir Maîtrise Jumelle, Falcascade. Cascade. Et autre joyeuseté qui coûte moins de 3 manas, ou égal. Donc pour un maximum de sauce, on va poser la 5-2, histoire d'être full board. Et j'ai l'évolution d'Irelia, bien sûr, ce tour-ci, là, sur l'attaque. Salut Mac. Le mieux à faire avec mes jokers de champion, c'est les garder pour l'extension dans quelques jours. Pas obligatoirement. Mac. Pas obligatoirement s'il y a déjà des decks ou des champions que tu veux jouer. Mais si t'es plus fan d'un champion qui va sortir justement mercredi prochain, oui. Clairement. Hein. Garde tes jokers. Après, si t'es vraiment débutant, que t'as commencé. Que t'as commencé récemment, ouais, garde tes jokers de champion, farm les régions petit à petit et essaie d'attendre une ou deux semaines avant de crafter des choses parce que t'as les coffres hebdomadaires qui sont assez enrichissants. Tu peux faire une expédition qui te donne des récompenses aussi et par chance, tu peux avoir des champions dans les coffres. Donc ouais, attends un petit peu et craft ce que t'as envie de toute façon après. Les jokers de champions sont faits pour crafter les champions, tu peux pas en avoir en double des champions. Donc t'inquiète pas à ce propos. Voilà, c'est important. C'est important ce moment-là. Fresh, il cherche le meilleur bloc possible. Malheureusement, la 5-2, il va être obligé de la bloquer parce que ça m'offre le létal. Il est à 9, s'il bloque pas la, s'il bloque la 5-2, il passe déjà beaucoup de dégâts. Le problème, c'est qu'il doit jouer autour du switch d'Irelia. Parce que je peux switch Irelia sur le dragon pour pas gagner de points de vie. Je peux switch Irelia sur une 1-2 pour mettre 4 dégâts direct. Il y a beaucoup de solutions de mon côté. Et il y a aussi des solutions côté fraîche. Hein. S'il met la 2-1 sur la 8-8, ben, je sais que potentiellement, il peut recevoir du heal. Il peut faire un plus 3, plus 0, recevoir du heal et qui n'est pas létal. Donc voilà, il essaie de trouver la meilleure combi. Voilà. Là, il sait que si je switch Irelia, je ne tue pas la 2-4, c'est bien joué de sa part. Et maintenant, c'est à moi de réfléchir. C'est à moi de réfléchir. J'ai 1, 2, 3, 4. J'ai 5 dégâts qui partent ici. Et ils tombent à 6. Et je tue tout. Je tue absolument tout. Donc, je dois faire le choix de je reste comme ça, je tue tout, je suis peinard, je suis bien dans ma game. Ou alors, je prends le risque de faire un switch où Fresh peut répondre avec tout et n'importe quoi, que ce soit silence, plus 3, plus 0, plus 0, plus 3.
Donc le choix est pas si compliqué que ça en fait. Je joue la sécurité, je ne fais absolument rien. Cette phase d'attaque me va, je joue rien. Je nique le board adverse, il y a deux œils du dragon en moins. Il peut pas me tuer le tour d'après, il peut pas avoir un Lee Sin énorme pour me tuer le tour d'après. Et moi, j'ai de quoi protéger mon Irelia et j'ai de quoi gagner le tour d'après en fait, à ma prochaine attaque. Donc il n'y a aucune inquiétude ici. Tu joues safe et t'attends. Et la Fresh, de toute façon, il a rien, il a une main trop lourde. Il joue rien, il essaie de poser Lee Sin au tour d'après. Wasseng. C'est quoi ça? Qui c'est qui dit Wasseng pour Serpierre en France? C'est pas chez nous. Ouais, c'est. Et après, ça critique, quoi. Sans deck. Sans deck. Bon, voilà, le Lee Sin qui arrive en jeu. Il fait ce qu'il peut, quoi. Fresh, il doit tenter, bien sûr, le grab sur Irelia. Parce que de toute façon, il meurt. Donc, let's go. Let's go. Et là, ben, j'ai le mana. J'ai le mana pour faire. Je renvoie mon Irelia, je la rejoue, je joue Danse des Lames. Il n'y a plus de mana chez Fresh. C'est la fin. C'est la fin. Il pouvait pas y faire grand-chose, Fresh. C'est le match-up. Le match-up dégueulasse pour lui. C'était le deck que j'avais target et il avait dans la line-up. C'est aussi ça. Alors, c'est beaucoup de facteurs. Hein. C'est anticiper les line-up adverses, le tirage des cartes, bien jouer. Mais à ce niveau-là, on joue tous bien. Ce qui va faire la différence, c'est le cumul de tout, en fait. De la stratégie, de la line-up, du tirage des cartes. Et des petits misplays. Donc GG. Et c'est sur ça qu'on finit. Énorme. Et le temps pour jouer aussi. Le chrono qui est très important, oui. Et voilà, ouais. Comment se finit?